Salut, salut. Yo, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. On va faire le changement de scène comme d'habitude. Hop. Et voilà, nickel, nickel. Attendez, juste mettre le son du jeu pour pas l'oublier dès le début. Hop. Je vais voir si tout est ok. On va quand même activer après le son grippois si jamais. Tout a l'air d'être bon, nickel. Et salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez super bien aujourd'hui en ce jeudi 22 août. Il y a bientôt la fin des vacances pour certains, peut-être début pour d'autres, on sait pas, hein. Peut-être ceux qui travaillent ils l'ont pris au mois de septembre vu que c'est plus calme sur les routes, qui sait. J'espère que vous allez bien de votre côté. Moi je suis un peu stressé parce que la dernière fois qu'on a joué à Rain Man c'était pas top, on a galéré. Mais bon, j'ai quelques bonnes nouvelles, donc ça devrait peut-être changer d'ambiance pour aujourd'hui. C'est-à-dire peut-être que ce sera les bonnes nouvelles qui me feront avoir une bonne étoile sur le jeu, et peut-être que j'avancerai mieux sur Redman, qui sait. Qui sait, qui sait. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous entendez bien le jeu, j'espère que tout se passe bien, qu'il n'y a pas de problème sur le retour du live. Parce que moi, bon, ce que je vois, c'est que ça a l'air d'aller. Je regarde, ouais, c'est bon, le jeu il est nickel. Le son m'a l'air d'être nickel, je vais le monter un petit peu de mon côté pour que j'entende un peu mieux le jeu. Sachant qu'il y a le son request qui a été activé dans quelques secondes, donc ça va être un peu le bordel. Je vais mettre un peu plus de son, ouais. Voilà. Donc j'espère que ça va super. Moi ça va être super bien aujourd'hui. Donc on finit bien à 18h, 18h15 maximum, puisque je vais faire un peu de course à 18h30. Donc c'est pour ça, je pense que je vais arrêter plus tôt le live. Et c'est vrai que j'ai commencé plus tôt du coup, comme ça on commence plus tôt, on finit à la même heure en vrai, sauf que c'est décalé de 15 minutes. Et salut Gus, comment tu vas? Tu vas bien? Eh ben, c'est super si tu vas bien. C'est super que premier est arrivé, donc premier servi. Et j'ai cru comprendre que tu faisais des lives Gus. J'ai vu ça tout à l'heure chez... Je sais plus où j'ai vu, je crois que c'est... Quand j'étais sur le Discord à Linko, j'ai vu les amis streamers et j'ai vu que t'étais dedans. Donc, du coup, je vais te faire un SO si tu fais des lives. Bon, même si tu fais pas de live, je t'aurais fait un SO pour tous les SO que tu me fais chez Canout. Faut bien que je te fasse un petit SO. Attends. J'espère que tu passes un très bon jeudi de ton côté en tout cas. Parce que nous, ça va aller normalement puisque... Alors, on va faire dans l'ordre. J'ai plusieurs choses à vous dire et à vous demander aussi. Demander, il va attendre un petit peu qu'il y ait peut-être plus de monde s'il y en a. Donc on va attendre un petit peu. Mais à vous dire, on va commencer par Rain Man. Oh, des lives, faut que je reprenne. Et merci pour les sauts, mais y a pas de souci, Gus. Les amis de la famille sont les amis. Donc au gros plaisir de te faire un SO. Et pour tous les sauts que tu me fais chez Canout, c'est le moyen de te rendre de la chose. Parce que moi, j'essaie de rendre tout ce qu'on me donne. Je suis quelqu'un au cœur qui rend tout ce qu'on me donne. Donc du coup, les infos, je les donnerai 2-3 fois dans le live, puisque là, c'est le début, je le donne au début du live, vers 16h30, 16h45, je redonnerai l'info, et je redonnerai à la fin du live, du coup. Donc, salut Samy, 1988, je sais pas si je dis Samy ou Samy 1988, et bienvenue à toi sur le live. Mais c'est Alex, ça fait longtemps. Ça me dit que... Alors attends, je vais peut-être savoir, je crois que savoir qui tu es, attends. Tu me dis quelque chose, du coup, Samy. Ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Non. Ah, peut-être. Oui, peut-être. Si je regarde un petit peu. Mais c'est Alex, ça fait longtemps. Ouais, ben. Je sais plus où on s'est vu, du coup. Si tu me fais rappeler, parce que ça va me revenir de suite. Quand on me dit d'où on s'est vu, ça va me revenir de suite. Parce que j'ai vu énormément de monde cette année. Le monde que j'ai vu. Mais ça fait plaisir, en tout cas, que tu viennes sur mon live. Bienvenue à toi, en tout cas. Et puis, j'espère que tu passeras un excellent stream, j'ai du mal à parler d'un coup. Où est Scooby-Doo? Où est Scooby-Doo? Ben Scooby-Doo n'est pas là. Oh non, j'ai compris ta référence. Gus, qui est de Scooby-Doo. Donc du coup les infos, puisque je vais essayer de me revenir à la raison un petit peu. Donc du coup il y a 3 infos importantes. Première info, j'ai farmé des vies en off. Donc parce qu'on galérait la dernière fois, on ne faisait que mourir. On n'arrêtait pas d'avoir 5 vies, on les perdait au bout de 5-6 minutes. Alors du coup, pour commencer, on a 21 vies. 21 vies plutôt, parce qu'on est au féminin. C'était à l'époque chez Yuna. C'est ça, c'est chez Yuna. Chez Yuna... exactement.
Exactement, Samy, c'est bon, ça me revient de suite du coup. Oui, c'est vrai qu'on s'était, je me rappelle, on s'était vu chez Yuna. Chez Yuna, ouais. C'est vrai que ça fait longtemps. Mais je vais encore chez Yuna. Hein. Je suis pas abonné chez Yuna, je vais encore chez Yuna. Et merci du coup pour ton follow, Samy. L'alerte maman devrait apparaître. Merci, c'est super apprécié de ta part. Et bienvenue encore plus officiellement dans la familia. Ça fait super plaisir. Et oui, chez Yuna, c'est vrai que j'ai passé des très bons moments chez Yuna. Après, j'étais absent, donc du coup, je ne suis plus retourné. Bon, c'est la vie privée. Mais j'ai resté abonné pendant 2 ans. Hein. Là, je suis encore là. J'ai 35, 30, 34 ou 35 ou 33 mois de sub. Je te laisse l'alerte. Donc, merci encore pour ton follow, Samy. Ça fait super plaisir. Et bienvenue plus officiellement à toi dans la Familia. Donc, on reprend les infos pour essayer d'avancer un peu pour aujourd'hui. Du coup, pour commencer, donc j'ai fermé les vies en off. J'en ai 21. Ensuite, nous allons commencer par. Les sims de Monsieur Stone aujourd'hui, nous allons pas commencer par le monde de Scope, là, les grottes ou les caves de Scope. On va commencer par les sims de Monsieur Stone, le 100%. On va essayer de faire ça pour commencer. C'est déjà un bon début, hein, écoutez. On va commencer par ça. Oui, aussi, la semaine prochaine, je ferai un live vendredi 22 août. Non, 22 août, 22 août, non, c'est n'importe quoi, c'est aujourd'hui 22 août. Vendredi 30 août 2019, du coup. Où je vais jouer à Man of Medan. The Dark Pictures. Pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui connaissent, c'est le jeu qui va sortir, le jeu qui ont ceux qui ont fait ce sublime jeu qui est Until Dawn. T'inquiète, c'est normal, Alex, mais ça fait super plaisir de ta part, Samy, en tout cas, et bienvenue encore à toi. D'ailleurs, Scooby-Doo sous mon lit. Donc du coup, je vais faire Man of Medan 3 heures de live pour vous remercier de tous vos follow, vos subs. On est quasiment à 15 subs, on a 15 subs sur la chaîne. Encore merci à Kourai, James Sachs et tous les VIP qui se sont subs aussi. Kanout du coup, Matin Games, Blanco, la petite équipe. Désolé si j'en ai oublié les amis. Tous ceux qui sont subs à ma chaîne, ça fait super plaisir. Axo, je crois aussi. Merci à tous ces gens-là, à tous les subs. Donc, je liste les subs, je le ferai pas tous les jours. C'est pour remercier tout le monde, c'est encore apprécié. Et James Sachs, évidemment, mon modérateur. Donc, du coup, il y a ça. Et dernière information, c'est je prépare un live de 2 heures, pur Dokkan Battle. C'est que du Dokkan Battle. Hier, j'ai contacté Juyun au téléphone, je l'ai appelé hier. Et du coup, il me reconfirmera ça, mais on s'est dit ça. Avant la rentrée, normalement, on va faire un live 2 heures à 2. Donc, lui sera en vocal avec moi sur Discord. Et du coup, on va faire un live sur Dokkan Battle. Il va me conseiller une équipe pour les défis, etc. Et on va faire une équipe type. On va faire des ouvertures Dokkan parce que c'est le festival. Et si en plus, on tombe au moment où il y a un bout de Keite Kaishi, bah, alors là, on a le pompon. On fait tout ça d'affilée, quoi. Donc, ça, c'est pour les infos. Donc là, ça fait 10 minutes d'infos à peu près. Je crois que j'ai fait le tour. On va bientôt pouvoir commencer le jeu. On va pouvoir se lancer dans les montagnes bleues, les cimes de Monsieur Stone, et pouvoir récupérer toutes les cages et essayer de perdre le moins de vie possible pour pouvoir ensuite, alors pas faire la cité des images de suite puisqu'elle est assez dure. On va directement attaquer les 3 derniers niveaux avant le boss, c'est-à-dire la cave de Scope, donc le palais de cristal et les 2 autres. Donc du coup, alors attends, du coup, bah pour. Je peux te le dire. Bon, alors en fait, tu peux faire, je crois, si je me trompe pas, tu peux faire ça. Donc ça, c'est la liste des jeux globalement. Mais globalement, précisément, ce que je fais en ce moment, Samy, je fais tous les Ratchet & Clank Challenge 100%. C'est-à-dire que je fais tous les Ratchet & Clank, le 1, le 2, le 3, le Gladiator, à Cracking Time, la taille ça compte, Opération Destruction, Agent Secret Clank, Nexus, All for One, Question Force. Dites-moi si j'en oublie, hein. Dites-moi si j'en oublie. Quest for Booty. Et là actuellement on fait le Ratchet & Clank PS4. Et si j'en ai oublié, on fait tous les autres aussi. Tous les Ratchet & Clank pour commencer. Donc à 100%, c'est le challenge que j'ai lancé sur ma chaîne. Comme ça fait un truc qui est toujours en cours. Ensuite, je fais actuellement Rainman. Je fais actuellement Rainman. Eh oui, Rainman. Actuellement, j'essaie de faire le 100%. Plus finir le niveau. Et salut et merci à toi, Shirona. Qui est aussi de chez Kanout, évidemment. Merci à toi pour ton follow, ça fait super plaisir et bienvenue à toi dans la Familia, du coup. Tu es la bienvenue. Donc, du coup, Samy, excuse-moi, je fais aussi donc l'alerte.
Encore merci, hein, Chironov, pour ton follow, ça fait super plaisir. Et encore bienvenue à toi. Alors du coup, Samy, je te disais, je fais aussi Aladdin, la revanche de Nazirov sur la PlayStation 1 actuellement, qui est un jeu que j'adore, mais comme jamais j'adore. J'adore ce jeu, je sais pas, j'ai rejoué à ce jeu, j'ai envie de le finir à 100%. Mais il y a un niveau qui est un peu compliqué pour l'instant, donc le 100%, je sais pas encore si je vais le garder. Donc il y a ça. Ça fait plaisir, cher Renaud. Ouais, bienvenue encore à toi. Je sais pas si je le prononce bien, du coup, puisque c'est la première fois que je le prononce, du coup. Je sais pas si on dit chez Renaud ou chez Renaud. Et merci, bah du coup, le live Mass of Medan sera aussi l'occasion des 100 followers, du coup. Hein. Encore merci à vous. Ça fait super plaisir, les amis. Merci à vous pour votre soutien, c'est super apprécié. Je voudrais vous le rendre au centuple avec des lives super sympathiques. Et je fais aussi du Crash Team Racing en mode difficile. Actuellement, on va lancer les signes de Monsieur Stone quand même. Je fais du Crash Team Racing en ce moment. Et pour finir, je fais du Dokkan Battle. Du Dokkan Battle et quelques jeux Android. Je vais peut-être bientôt faire des jeux de rôle où on est le héros. Et aussi bientôt des JDR. Je voudrais faire des JDR. C'est un de mes plus grands projets. Aussi faire des JDR avec vous. Ce serait super cool. Il gagnait quoi pour être le centième follow? Ma gratitude. Ma gratitude et tout mon amour. Non, c'est super apprécié. Bah, t'as gagné que tu vas pouvoir. Tu vas avoir l'annonce du coup du prochain live Mice of Medan, The Dark Pictures qui sort le 30 août 2019. Ne loupez pas ça, c'est dans 8 jours. Peut-être qu'il sortira avant, mais je ne pourrais pas sûrement le stream avant le jour même. Hein. C'est Sony, etc. Je pense que c'est une exclusivité. Sony ou peut-être Xbox le font, je suis pas sûr. Je crois que c'était que Sony justement, donc c'est pour ça, c'est très étrange. Bon, oula, attendez, Rainman part en couille. Reviens Rainman, j'ai activé le song request peut-être. Oui, j'ai activé le song request parce que à chaque Rainman on l'a activé. Donc, attends, je vais faire star parce que Rainman il va se barrer en couille, je le sens. Non, 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 tu te tues pas Rainman, tu te tues pas. Donc du coup, j'active le song request, n'hésitez pas à ajouter vos sons, tout est le bienvenu. Je l'ai activé, donc je vais mettre le son du song request, et je vais pas le mettre trop fort pour moi parce que je vais plus entendre le jeu sinon. Alors, j'attends que ça s'active. Et j'étais en train de dire quoi du coup? Donc, les 100, voilà, pour les 100 followers, du coup. Voilà, c'est bon. Song request est activé. Si vous le trouvez pas assez fort, n'hésitez pas à me le dire. Ajoutez vos musiques. Là, il y a des musiques de la playlist. Il y a des musiques de Celica, de Blanco. Et je crois aussi de James Axe, si je ne me trompe pas. Que j'ai gardé. Parce que c'est très très bon son, j'adore. Et on va pouvoir continuer le jeu, du coup, tranquillement. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va récupérer toutes les cages. Donc là, on a récupéré deux, il nous en reste plus quatre. Alors je crois qu'il y en a une ici, pas loin. Alors je crois, hein, parce que j'avais pas encore fouillé par ici en fait. Ah, je vais peut-être attaquer les amoureux, non? Non, pas les amoureux. Pas les deux petits oisillons. Alors, est-ce qu'il y a une cage à récupérer dans le coin? Alors, bonne question. Il me semblait qu'il y a une cage à récupérer ici. Alors je sais pas si je l'ai déjà eu par contre. Alors, t'as pas le droit de stream avant la sortie d'un jeu, sinon ban de 24 heures de ta chaîne. Donc c'est pour ça que je le ferai le 30 août 2019. Donc c'est bien ce qui me semblait. Parce qu'à l'époque j'avais fait, alors ce que j'ai streamé à l'époque, j'avais fait Resident Evil 7 de Biohazard. D'ailleurs je pense que c'est des licences que beaucoup adorent dans la communauté actuelle où on est. Alors pourquoi je ne peux pas avoir pourquoi je n'ai pas eu la cache qui est apparue, c'est bizarre. Comment ça fonctionne le song request déjà? Alors, comment ça fonctionne? Il faut que tu fais point d'exclamation SR tout collé. Point d'exclamation SR en tout petit. Et juste derrière, tu fais espace et tu postes un lien YouTube de ton choix. Qui dépasse pas, je crois, les 5 ou 6 minutes sur ma chaîne. Puisque après, ça faisait trop long. J'ai mis une limite de 5 ou 6 minutes. Donc, sinon, ben, n'hésitez pas, hein, les amis, à mettre vos sons. Tout est bien pris. Voilà, comme Gus vient de faire, du coup. Donc le booting à l'arsenic, je connais pas du tout. En plus, c'est les années 70, j'adore les sons des années 70, donc t'as fait un très bon choix, je pense, Gus, sans le savoir. N'hésitez pas à mettre vos sons, les amis, franchement, ça fait super plaisir. Et c'est bizarre, il manque une cage, comment je l'ai? Alors attendez. Attendez, attendez, je me concentre 2 secondes, puisqu'il y a une cage qui apparaît ici. Hein. On me l'a dit. Mon frère me l'a dit. Il m'a dit, il y a une cage qui apparaît ici. Mon frère qui est mon conseiller sur le jeu. Lui qui a fini à 100% du jeu plusieurs fois à l'époque. Si tu savais ce que tu. Si tu savais ce que c'est, tu vas rire. Ah!
Bon, on verra, on verra. En plus, c'est la prochaine qui passe, Gus. Donc, n'hésite pas, si t'as d'autres sons. Bon, après, je veux bien accepter quelques sons de troll, les amis, ça fait toujours plaisir. On est là pour rigoler aussi entre nous. Après, si c'est que des playlists troll, bon, évidemment, je skipperai. Mais quelques sons troll de votre part, ça me dérange pas, vous savez. Je suis assez gentil sur mes lives, donc vraiment, j'accepte un peu de tout. Ok, bon, il n'y a pas de cage ici, donc c'est étrange. Donc je regarderai peut-être. Si on est bloqué, de toute façon, sur les cages, à un moment donné, il faudra que je me renseigne sur internet ou peut-être pas sur internet. Du coup, vous êtes hors stream, ce sera peut-être mieux pour vous puisque c'est pas agréable de faire ça en stream. Surtout que là, on fait pas le 100, on fait le 100%, mais bon, on va essayer quand même de faire de nous-mêmes. On va essayer de trouver des choses, on va essayer de se débrouiller quoi. Allez, donc je suis désolé si on entend très très fort la manette. En fait, j'aurais bien voulu m'éloigner de ma manette dans mon micro, mais le problème c'est que je commence à avoir des douleurs au bras droit à force de faire ça. J'ai des douleurs au bras droit, donc j'essaie d'éviter au maximum. Si on peut récupérer une vie gratuite aussi, ce serait magnifique. Magnificos. Oh! On commence à prendre des dégâts, ça y est. Je vous lis, hein, vous inquiétez pas. C'est juste de progresser tout doucement, mais sûrement. Ok, point de sauvegarde. Alors. Je connais pas non plus le son de Chirona. Ben, j'écouterai, hein. De toute façon, ça va passer, hein. On écoutera ça ensemble. C'est moi ou le cerf et les bols sont. Ah, peut-être. Je vais monter un peu le son du cerf. Écoute. Non! Ouf! Il y a une cage en plus. Ouf! C'est bon. Est-ce que vous entendez un peu plus fort le SR du coup? Dites-le moi. J'ai monté un peu le son du SR, dites-le moi. Que je sache pour vous quoi. Ok, troisième cage récupérée. Je vais faire un truc et je reviens après. Tu live jusqu'à quelle heure? Je live jusqu'à 18h15 maximum. Alors, parce que du coup, je dois faire des courses. Bon, après, on a plus ma vie privée. Je dois faire des courses, mais du coup j'ai retardé, enfin j'ai avancé le live plus tôt pour pouvoir le finir plus tôt. Ah ouais d'accord, je vois le genre de son du coup Gus. Sur mon tête donc j'entends pas tout, mais y a pas de souci hein, Chironda. N'hésite pas, tu reviens quand tu veux, tu es la bienvenue. Tout le monde est le bienvenu ici de toute façon. Et oui, je vais live jusqu'à 18h15 à peu près, environ. C'est une estimation que je me suis faite parce que je dois faire les courses. Allez, vite, 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 vite. Yes. Oula. Ouais, bien cette musique en vrai. Moi, je trouve pas ça. Je trouve que c'est super cool d'entendre ça. J'aime bien. Moi, je suis assez compréhensif sur toute musique. J'adore la musique de. C'est un des trucs que j'adore le plus dans ma vie, c'est la musique. Allez, vite, 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 monte en haut, ne prends pas trop de dégâts. Ça marche à tout, Alex. Mais à tout à l'heure, en tout cas, chez Rona. Et puis, encore merci pour ton follow, c'est super gentil et super apprécié de ta part. Et puis, à tout à l'heure, peut-être, ou peut-être chez Kanout, si live. Parce que j'irai faire un petit coucou ce soir un peu à tout le monde. Peut-être que je te verrai chez Kanout. Hop, chez Monsieur Kanout plutôt. Ok. Bon, pour l'instant, on progresse tout doucement. Je prends mon temps, désolé, mais c'est vraiment de faire attention un peu à tout. On va essayer de pas prendre trop de dégâts non plus. La dernière fois qu'on a joué à Redman, on était plus tendu que ça, je trouve. Là, on est un peu plus. On est un petit peu plus concentré, plus serein. Hop. Et ça y est, Samy, ça me revient, ton pseudo chez Yuna. Tout me revient avec le temps, là, je suis en train de réfléchir, ça y est, ça me revient. C'est vrai que je t'accueillais à chaque fois que t'arrivais chez Yuna. Je me rappelle maintenant. Ouais, c'était super, cette époque. Avec CDD et. Avec CDD et tout. Ah, il y a une cage en bas, on va y aller la chercher, tiens d'ailleurs. Oh, très beau son. Bah, Chirona qui est parti, mais qui est parti en me laissant un très beau son du coup. Ok, il y a une cage ici. Super, on est à 4 cages, hein. Plus de 2. C'est bizarre, j'ai l'impression que le niveau est plus facile que prévu en fait. Allez, vite, 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 là, on n'a pas trop le temps, faut se dépêcher. Meurs pas, meurs pas. Meurs pas, Missy Redman, on a comme 21 vies, il serait con de commencer à les perdre bêtement. Ah, bah, on a perdu. Bon, c'est pas très grave. On a perdu notre first life. Allez. Alors, attendez, je vais faire un truc parce que ça va pas le faire. Je suis obligé d'activer une paramètre sur le. Je suis désolé. Je suis obligé, sinon, on va avoir des problèmes sur le jeu. Et on va mettre en pause quand hop.
Vous avez rien vu, c'était que de l'illusion. Ah, c'est dommage, on allait commencer à récupérer des lums pour avoir une vingtaine de 22 vies, mais bon. Hein, qui dit faire des niveaux dans Rayman, dit perdre des vies forcément. Un jeu Rayman sans perdre des vies. Surtout que Rayman, c'est pas si facile que ce que ça en a l'air en fait. Hein. On dit Rayman, c'est facile, mais bon, le 1 il est très dur de base. Enfin, pour ma part, il est très dur. Ah oui, j'ai que 3 vies, merde. Ah, j'ai que 3. J'avais oublié, je crois qu'il y en avait 5 avec le P. Ah mince. Bon. Comme ça, on a quand même 4 cages. Il ne reste plus que 2 à récupérer. Je sais où elles sont. Donc, forcément. Donc, la cage du début, on l'avait dit récupérer. Logiquement, vu qu'on en est dans le niveau, ça me confirme qu'on l'avait dit récupérer. Donc, nos stress. Ok. Bon, là, aussi du premier coup cette fois. Oh, on a une vie ici. Bah, c'est super, hein. On dirait que j'ai loupé plein de trucs. On a récupéré une vie qu'on a perdue. Gus. Ah ouais, mais bon. C'est le jeu, hein. Faut bien que je meure de temps en temps. Ah, on est arrivé dans le fameux niveau où on doit couper la corde. Assez vite. Bon, ce niveau est pas compliqué. Mais... Ah oui, il y avait ça aussi, j'ai oublié, merde. Juste qu'il faut pas trop traîner. Allez, pendouille. Voilà, coupe-moi ça. Allez, plus que cette corde-là. Non, voilà, on va y arriver. Enfin, j'espère. Allez, on n'y est pas loin. J'espère qu'on va y arriver. Ouais, nickel, on a réussi. On a réussi, c'est GG ça. Allez, descend tout doucement. Bon, là, l'eau, elle va descendre tout doucement, du coup, on a le temps. Mais par contre, ça va. On a quand même récupéré pas mal de cages. Bon, je crois qu'il y a une cage ici, mais je crois qu'on a dû récupérer. Ah bah non. Eh bah écoutez, il n'en plus qu'une à récupérer. Du coup, on a quasiment récupéré toutes les cages. Hop, plus qu'une. On progresse bien, ouais, hein, ça va. Donc, tu pensais qu'on allait prendre du temps et tout. Non, ça va, on progresse super bien. Il n'en reste plus qu'une cage, en plus, on a perdu qu'une seule vie au final. Avec un très beau son. Alors, si le son est plus fort que le jeu, n'hésitez vraiment pas à me le dire, les amis. N'hésitez pas. Je ne mange personne. Alors. Ah. Ça, ce passage, normalement, il est facile. J'ai bien dit. Normalement, il est facile. Alors, je crois savoir où est la dernière cage après. Bon, après, j'ai un petit doute. Alors, je crois qu'ici, il n'y a qu'une seule cage. Et je l'ai déjà récupérée. Donc, du coup, la dernière cage, elle est dans le niveau d'après. Ah, un bon petit trampoline de Tiny Tempa en plus avec 2 Chain, c'est super. Un son que j'adorais à l'époque aussi, écoutez. Ok. Allez, nickel. Alors, ici normalement il n'y a plus de vie à récupérer, je crois. Ah oui, la plateforme là elle est apparue. Mais... Il n'y a pas d'autre. Ah bah il n'y a pas d'autre. Bah écoutez, on est obligé de passer par la gauche du coup, hein. Pas trop le choix. Bon, ici, il n'y a pas de cage à récupérer, logiquement. À moins d'être vraiment dans le flou total. On a récupéré toutes les cages ici. Allez, hop. On va passer tout doucement. C'est un très beau son, hein, vraiment. Hop. Si le son est plus fort que le jeu, n'hésitez pas aussi à me le dire. Vraiment, n'hésitez vraiment rien à tout. N'hésitez pas à me le dire. Dites ce qui va pas. Hop. Hop, bon ça le niveau là est facile hein. Vraiment on va pas perdre trop de vie normalement ici. Bien dit normalement. Trampoline. Ah. On va passer par ici. Oh ah non, je me rappelle que j'étais. Oh non, je savais j'allais me le prendre. Ah, à l'époque je me prenais déjà le piège. Oh aïe aïe aïe. Allez. Bon cette fois on fait plus la même erreur, on passe vers la gauche. On passe plus à la droite, c'est terminé. Ah ouais, Angus, c'est une erreur que je fais à chaque fois que je passe ici. Toi, je vais recommencer, hein. Tu peux demander à... Parce que je sais pas si c'était déjà là quand je l'avais fait ce passage, Angus. Je pense que peut-être que oui, c'est possible. Et je l'avais dû recommencer 3 fois ce passage avant. Parce que j'étais mort. Une fois, j'arrivais plus à battre le boss, donc du coup, on avait arrêté le stream pendant le boss. On a dû tout recommencer. Allez. En plus on progresse bien, ce serait bête de... Allez. Hop, comme ça on arrive avec un raccourci. 2 Chain.
Bon, il y a des sons du replay qui va être coupé du coup, hein, parce que j'ai mis du son de request. Tu l'avais sur PC à l'époque? Là, je suis à l'époque, juste. Ben, c'est super sympa ça. Est-ce que tu l'avais fini à 100% ou t'avais juste fait une run comme ça et puis tu l'avais pas fini ou... Parce que moi, j'ai jamais fini tout seul. J'ai déjà fini, mais avec l'aide de mon frère, on va dire. Voilà, on fait pas une erreur. Pas deux fois. C'est super de savoir que tu l'avais fini à l'époque, je savais pas, tu vois. Bon, ici. Me souviens plus, je suis vieux. Hop. Alors. Ah non, non, prends pas trop de dégâts ici. Non, 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 on va pas mourir toute nos vies ici quand même. Aïe, 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 je commence à perdre toutes mes vies ici, je le sens. Ah là 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 là. En plus, lui, il est facile à tuer, hein, il recule. Mais j'ai une astuce pour le battre, mais il faudrait que j'arrive à la faire. Attendez. Voilà. J'ai trouvé l'astuce, c'est bon, on va la réussir vraiment. Ah, on va pas y arriver. Franchement, je serais con de perdre toutes nos vies sur un boss aussi facile. Voilà. Un petit ennemi, en plus, c'est même pas un boss. Hop. Bon. Où sont les coffres ici? Alors ici, dis-moi qu'il y a un coffre dans le coin. Donc il y a forcément un coffre dans le coin. Ici, on est dans une zone assez enneigée avec des plateformes en l'air, etc. Il y en a bien une. Alors, attends, il y a deux chemins ici, par exemple. Il y a deux chemins. En bas, il y a quoi? Alors, est-ce qu'on l'avait réussi, lui? Ah, j'en ai zéro, ok. Pas très grave. Je viens de sacrifier des vies pour voir s'il y a des passages, mais... Ah, ici, il y a un passage, ok. Ici, il y a un passage, mais il n'y a pas de coffre. Non, il n'y a pas de cage, pardon. Il n'y a pas de cage ici. Donc, ici, c'est pas le bon chemin. Alors, ici. Ici, y a rien. Est-ce qu'il y a une cache apparue? Non, rien du tout. Que chi. Je fais vraiment attention parce que je veux pas me louper de cage. Vous voyez, si je commence à louper des cages, je serai un peu bête. Ok. Hop. Bon, ici, je pense pas qu'il y a de cage non plus. Je pense que là, pour l'instant, on n'a rien loupé. Enfin, je pense, hein. Je peux me tromper. On a quand même perdu 3 vies, hein, c'est un peu dommage. Hein. Ok, bon, je pense que c'est bon. Pour l'instant, on n'a pas loupé de cage. Ah, je crois qu'il y a encore un passage après, encore un level à faire. Et peut-être que là-bas, on aura nos cages. Le fameux cage qui nous manque. Ah, c'est pas très grave, c'est pas très grave. Parce qu'on a récupéré un P. Ah, ici, c'est pour remonter. Donc, il y a un truc à faire en bas. Donc, on va voir qu'on a été trop en bas à récupérer des cages. Peut-être que là, on peut. Non. Ah oui, on est ici, les amis. Passage de merde. Bon, ça, on a l'hélico maintenant. Du coup, le passage est plus aussi merdique qu'avant. Hop. Il est chiant, mais maintenant, il est moins merdique parce qu'on a le. On a l'hélico. Voilà, regardez. Hey, easy peasy. Ah, la cage était à côté. Elle était à côté. Je sais qu'il y avait une cage pas loin. Je le sentais. Je sais pas pourquoi, ici. Il y a des petites plateformes vers le bas. Bon, c'est pas très grave. On va refaire le passage. Au moins, on finira peut-être le niveau avec 17 vies. Ce serait cool. Tu vois, on bat le Monsieur Stone du premier coup. Allez. Ah, dommage. Bon, on va finir avec 16 vies. Tant pis. On va finir avec 16 vies. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Surtout que là, on a pas mal de vie, on peut se permettre de mourir. Bon, là, c'est un peu abusé parce que c'est des passages très faciles. En plus, maintenant qu'on a tous les. On a l'hélico, on a tout ce qu'il nous faut. Oh non, par contre, non, on va pas perdre toutes nos vies ici, les gars. Merci. Merci de pas m'avoir fait un petit troll. En plus, ça, Monsieur Stone, il me donne un P en plus, je crois. Un P. Un power. Ok. Plus qu'un. Hop. Bon. L'avantage de tout à l'heure, c'est que cette fois, on va pouvoir passer dans le bon chemin. Parce que là, on était ici. Là, c'était pas le bon. Par contre, ici, c'est le bon.
Ok, ici c'est la dernière cage. Oh! Nickel. Oh purée, ici c'est l'enfer. Sautez pas, sautez pas. Ok, c'est bon. J'ai flippé, hein. Hop, ici. On se dépêche. Hop. Bah voilà. Oh là! Non, non, non. Je suis vraiment dégoûté de perdre toutes mes vies ici, hein, pour rien en plus. Hein. C'est vraiment des passages faciles comme tout. Attention, il y a un pic là. Oh! Ok. Oula, 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 oui, il faut se dépêcher ici. Hop, normalement il y a la fin du niveau pas loin. Vite, dépêche-toi, on a la fin du niveau. Voilà. Et on affronte Monsieur Stone normalement, si je ne me trompe pas. Là, on est face au boss. Avec toutes les cages en plus. Ah bah non. Ah, on affronte pas Monsieur Stone ici, d'accord. D'accord, d'accord. Bah écoutez, GG. On a fini un nouveau monde avec toutes les cages. Il ne reste plus que la cité des images. Et les caves de scope. Les caves de scope. Et puis on aura tout 100%. On n'aura plus qu'à battre le boss. Hein. Je sens qu'on approche déjà à la fin du jeu, hein, petit à petit. Hein. On approche petit à petit de la fin du jeu. Là. Allez, on est parti. Cette fois pour aller faire les caves de scope. Ce passage de merde, j'ai sauvegardé avant. Ce que je ferai, c'est que dès que j'arrive à la zéro vie, ben on relancera le niveau, enfin le jeu. Allez. Donc, on est parti pour ce passage de merde. Comme je l'appelais la dernière fois qu'on avait joué là. Pour ceux qui étaient là. On est parti pour ce passage de merde. Normalement, ça devrait le faire cette fois. Je l'ai dit normalement. Allez, vite. Hop, bon, j'essaie de récupérer des lums, ça fait toujours plaisir. Ah bah non, on doit récupérer le P en haut, bah oui. Attendez, on va trop vite là, il y a le P en haut à récupérer. Alors attendez, non. Hop, le P pour le récupérer, il faut qu'on prenne forcément le... Ici, voilà. Voilà, allez, on va récupérer le P. Meurs pas ici, s'il te plaît. Je récupère le P, voilà. Voilà, bon, du coup, on remonte. Hop. Allez, on prend cette petite plateforme, jeu de plateforme assez fastoche. Ah, bon. C'est un échec. Ok, bon, on va remonter en haut, du coup. Hop. Yes. Super. Hop, super aussi. Ok, ici il y avait quoi? Je me rappelle plus du tout. La dernière fois, je me rappelle plus du tout ce qu'il y avait. Ok, là on va faire un petit tour sur nous-mêmes. Hop. Ok, donc ici, il n'y a pas de cage à récupérer, ce qu'on avait dû récupérer la dernière fois. Donc là, on a juste le point de passage. Alors ici, il y a une cage. Ici, il y a une cage en arrière qui va apparaître. Voilà. Donc cette cage, je me rappelle. Hop. Ok, donc là pour l'instant ça va, on gère. Pour l'instant on est plus concentré qu'à la dernière fois. Bon après c'est... Ça va, là c'est pas des passages vraiment durs durs. C'est juste qu'il faut être concentré pour les passer. Hop. Allez. Ici c'est un passage de merde aussi, il va falloir faire attention. Je vais pas aller jusqu'au bout du truc parce que je crois que tu peux prendre forcément des dégâts. Hop, on t'accroche ici. Ici, et voilà, on a fini le premier niveau, sans dégâts, sans décombre, c'est très rare. Bon, est-ce qu'on fait une sauvegarde? On fait une sauvegarde à partir de la moitié. Vous savez quoi, à partir de la moitié du niveau, il faudra une sauvegarde. Comme ça, on trichera pas trop non plus, la dernière fois on a beaucoup triché en faisant ça quand même. Bon, par contre les cages, j'en ai que 3. Il m'en manque 3. Si on pourrait avoir les 6 cages, comme ça on va plus revenir sur ce monde de merde. On va peut-être pouvoir récupérer une vie à force. Hein. Regardez. On manque 12 lums si on a une vie. Si on réussit à récupérer des vies, ce serait nickel. On serait que bénéfique dans l'histoire comme ça. Ok, donc là les plateformes elles s'écroulent, faire attention, 98. Ah, on va peut-être avoir une vie, peut-être. Ah, on a plus de lums ici. On a un moustique de merde, mais lui il est pas si chiant que ça je crois. Ok, nickel.
Alors ici, c'est quoi? Oh non, j'ai perdu une vie, j'étais à 99 flumps. Oh non. Je pensais qu'il y avait un truc en bas, je me rappelle plus, je me rappelle plus. C'est pas très grave. Si je me rappelais plus de ce passage, j'ai un petit trou de mémoire, purée. Pourquoi j'ai ma mémoire à la flanche à ce moment-là? C'est ici qu'on pouvait aller en bas ou c'est pas ici? Parce que je sais que dans ce niveau-là, on peut aller en bas, on l'avait fait la dernière fois. C'est ici quoi, d'ailleurs qu'on n'a pas été plus loin qu'ici. Maintenant, le plus loin on a été dans le jeu, c'est ici. Donc j'espère qu'on va pouvoir avancer. Ah, attention, parce qu'on n'a pas de paix avant un moment. Donc attention les dégâts, monsieur Rayman. Hop! Allez. Donc le moustique. Il fait des dégâts le moustique en plus, mais non, mais. Oh non, mon étoile elle va disparaître, je vais perdre la bonne étoile, elle va venir mauvaise un coup. Oh non, mais regardez, je suis en train de perdre toutes mes vies ici. Toutes mes vies, j'ai farmé, on va tout perdre ici parce que je suis nul. Juste parce que je suis nul en plus. Encore, je suis ce que je. Ce que je sais pas, ce serait parce que j'arrive pas ou non, c'est ce que je suis nul là, c'est vraiment facile. Regardez, je perds toutes mes vies ici, mais calme-toi, Redman. Calme-toi là. Son patate patate balayette, Redman, je te le dis, hein. Allez hop. Allez, on progresse. Il faut vraiment que je finisse ce passage, hein, c'est pas possible. Allez, toi, non, tu me touches pas cette fois. C'est bon, tu m'as déjà fait assez de dégâts comme ça tout à l'heure. Pas abusé, hein. Hop! Allez, on va faire une petite sauvegarde ici. Fin de passage. Chut. Allez. Et le picou, il me suit, regardez! Ah, mais Picou, il m'a suivi! Mais. Je vais bientôt arriver à la moitié des vies que j'ai farmées, devant moi. J'en ai perdu 8. Vous imaginez? 9 avec la vie que j'ai gagnée gratuite. C'est à cause d'un moustique, là. Arrête, Redman! Et concentre-toi, s'il te plaît. Vraiment? S'il te plaît, s'il te plaît, concentre-toi, s'il te plaît. Non, parce que là, Redman, je vais bien rigoler, mais là, on va pas perdre. On va mourir ici, on va tout perdre ici. Non, franchement. Des heures de farming pour mourir ici. Je recommence tout, hein. Ah, je vous le dis, hein, je recommence tout. Hein. Enfin, je recommence tout le niveau, quoi. Si on perd toutes nos vies ici. Et arrête de prendre cette plateforme-là, merde, Redman! Réfléchis! Oh! Allez, on recommence. Voilà. Et là, on finit le premier coup. Bah ouais. Ah non, mais Redman, il se prend une plateforme ici. Je lui dis de pas se la prendre. Bon. Allez, là c'est un triangle. Faut faire attention. Parce que là, il y a un P. Il me le faut le P. Et attends, il n'y a pas qu'un P. Je crois qu'il y a une cave aussi en haut. Ah, je sais, là, c'est une cage. Ok, il y a une cage là. Je crois qu'il y a une autre cage aussi. Ok, la cage, on l'a vu où elle était. Comment j'atteins cette putain de cage? C'est, je l'ai, l'astuce. Ok, j'ai l'astuce, mais elle est très très compliquée. Comment on va galérer ici? What? Allez. On va galérer de malade ici, hein. Je vous le dis de suite. Voilà, et ici on attend que la plateforme le revienne, je crois. Ah non, c'est comme ça. Ok, mec, j'avais l'astuce. Ah, ça va être très chaud. C'est vraiment un jeu de timing. Hein. Ok. Bon. Maintenant, il faudrait qu'on aille à gauche. Comment on peut aller à gauche? Ah. Est-ce qu'on peut aller assez long? Ah, il n'est pas assez long pour avoir la vie. Si, c'est bon, on l'a eu. Ok, comment on va à gauche? Telle est la question du jour. Comment on va à gauche? Peut-être comme ça, il y a un truc qui apparaît, non? Non. Ah, j'espère qu'on va pas devoir revenir ici pour farmer les cages, non? Ok, bon, on va voir plus loin si on peut pas la voir, la cage. Ok. Là, c'est vraiment. Faut sauter au bon moment. Ok. C'est bon, on l'a eu. Oula, on a du truc à récupérer en haut. Alors attends, il n'y a rien en bas. Donc il n'y a pas grand chose, donc je pense qu'il faut aller en haut. Ouh. Allez. Oula, ici c'est. Il se passe quoi si on casse tout ici? Oula, mais je connais cette plateforme.
Ah là là, ça va être un jeu, faut savoir quoi faire. Ok, à gauche, il y a un truc. Ah, nickel. Ah, j'ai passé. Ah, j'ai passé. Oh non, il m'a troll le jeu. Il m'a troll sévère. Ah, il m'a troll sévère. La vie qu'on a gagnée. Ah, il m'a troll sévère. J'ai jamais eu un troll aussi méchant dans un jeu vidéo. Alors, du coup, comment on a la cage qu'on a vue tout à l'heure là? Il y a bien un passage. Parce que là, on était plus loin, il n'y a rien. C'est près des triangles, il y a peut-être quelque chose. T'as le Toblerone, je sais pas moi. Faut peut-être se dire le Toblerone et un truc apparaît. Je sais pas comment on l'a du coup cette cage. Ah, peut-être pas par là, il y a un truc. Bah non, bah c'est bizarre, il y a une plateforme qui doit apparaître, je sais pas. Vous savez quoi, j'essaie de voir, hein. Non, il y a une plateforme, à mon avis, je peux t'abaisser et t'arrives à la cage. Je sais pas pour l'instant. Si l'astuce elle me vient. Ah, je crois que j'ai l'astuce. Oui, trop tard. J'ai l'astuce, je crois. On va pas perdre une vie pour la cage, tant pis. Vous savez quoi, on la récupère un autre jour. Elle est pas perdue. Ah, mais vous êtes sérieux, le jeu? J'ai tout perdu ici. Bon, on va pouvoir se tenter l'astuce du coup. Allez. Ah, vraiment, je voudrais bien finir ce passage de merde. Hein, je peux le dire, c'est un passage de merde. Ce passage, c'est un des pires. Et je crois que c'est le plus long du jeu en plus. Pour vous le dire de suite. Après ça, ce sera plus facile les niveaux. Là, il y a 6 sections, on en est qu'au deuxième. Hein. J'espère que la section d'après va être plus courte. Hein, parce que là. En gros, il y a 6 sections. C'est-à-dire 6 niveaux avec des pancartes. Et là, je crois qu'on a fait que 2 sur 6. Si je me trompe pas. Ok, bah c'est pas ça du tout. Ok, bon, c'est pas grave. Oh, j'ai perdu toutes mes vies ici comme la dernière fois. Ah, je suis en train de frotter mes yeux tellement je vais être zarade de tout recommencer. Et voilà, il l'a pas touché. Pas grave. Comment on a cette cage? C'est une première question que je me pose, c'est comment on a cette cage? À un moment donné, il va falloir que je la récupère la cage de toute façon. Il y a bien un truc à faire, c'est pas possible. Il y a une astuce quelque part qu'on a loupée. Qui nous permet de récupérer cette foutue cage. Comment on a cette cage? Bon bah tant pis, de toute façon, on va pas perdre toutes nos vies ici, hein, je vous le dis. Hein. Faut que j'avance un peu dans le jeu. À chaque fois, on va revenir sur un niveau, on va finir toutes les cages, à force, on n'en aura plus. Regardez, on va remourir. Voilà, on remeurt, mais pourquoi je meurs là à chaque fois? Mais c'est quoi ce problème, cette plateforme? Il faut qu'elle se. Waouh! Eh, clairement, je vous promets, je perds encore 2 vies, je recommence tout. Non, mais c'est bon, le passage là, il commence à vraiment à me sortir par les trous de nez, je vous le dis. Je vais pas passer toute ma vie sur ce passage. Hein. Et tout à l'heure, on a réussi facilement. Je sais pas comment on a fait. Et salut, Matt. T'arrives au moment où je suis énervé. Contre le jeu. T'as le moment, je suis en train de rager sur le jeu. Comment tu vas, Matt? J'espère que tu passes un très très bon jeudi de ton côté, monsieur Matin Game. Matt en jeu, comme je l'appelle. J'espère que tu passes un très très bon jeudi après-midi qui est très très calme aujourd'hui. En tout cas, sur mon live, c'est très très calme. Ça fait bah ça détend. Après moi, qu'il y ait du monde ou qu'il y ait personne, je suis toujours la même personne, toujours aussi content. J'espère que tu passes un très très bon jeudi de ton côté. J'ai cru comprendre ça fait 10 minutes que je suis là. Ouais, t'as vu, je rage depuis tout à l'heure là, je suis en train de. Je tiens plus le coup. Tranquille, tranquille, et toi? Bah, ça va super, j'espère finir ce niveau de merde qui commence à me. C'est le niveau le plus long du jeu, dis-toi. Dis-toi, quand on aura fini ce niveau. On sera tranquille, mais regarde, on va perdre toutes nos vies ici. On va devoir recommencer. Oh. Est-ce que tu m'entends bien d'ailleurs, Matt? Parce que bon, je sais pas du tout s'il y a un bug de son, etc. Est-ce que tu n'as pas de problème de ton côté de son?
Parfait, bon, c'est parfait, c'est que c'est parfait. Et si Matt le dit, c'est que c'est vrai, parce que Matt, c'est un grand. C'est un des plus grands dans le milieu du Twitch. Et clairement, je me réussis, faut qu'on se niveau. Et je crois que t'étais venu, Matt, en plus, la dernière fois quand j'avais fait ce niveau de merde là. Ouais, vas-y, regarde, c'est quoi? On remballe ce jeu, on recommence. J'aurais dû sauvegarder, hein, parce que là, on va devoir recommencer. Allez, baston, on redémarre le jeu. C'est bon. Là, plein de cul de ce niveau, j'en peux plus. Je ne peux plus le supporter. Ce niveau, je ne peux plus le supporter. Yep, j'étais là. Eh ben, ça va recommencer pareil. J'étais détendu au début du live. Tout le monde était là, tout le monde était content. Puis après, je suis arrivé dans ce niveau. C'était un peu plus calme dans le chat. Et là, je me suis dit, bon, c'est moi contre le jeu. Et le jeu, ben, il est contre moi. Il est contre moi. C'est pire qu'une chasse Pokémon, hein. On recommence à chaque fois tout. Est-ce que tu live du coup Matt in Games, enfin Matt, ce soir? Dès que tu es calme, c'est très très calme pour te faire un tout petit saut. N'hésitez pas à aller voir Matt in Games qui est un super 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 streamer qui fait des chasses Pokémon. Et en plus, ouh, Monsieur Pargo, en plus il m'avait dit, Monsieur Pargo, qu'il aimerait, il avait oublié. Il m'avait dit. Et merci pour ton raid, Monsieur Pargo, ça fait super plaisir. Écoutez-moi cette belle musique. Merci, Monsieur Pargo, pour ce petit raid. Et salut, Werlin. Et re, Werlin, plutôt. Et salut, Bafan, bienvenue à toi, du coup, sur le live. J'espère que t'as passé un très bon stream, Monsieur Pargo, du coup, n'hésitez pas, hein, merci. Ouais, c'est trop lisse, c'est beau ce son, Matin Game, salut. N'hésitez pas à aller voir Monsieur Pargo qui fait du Baten Kaitos, qui fait Pikmin 2, j'ai vu, qui a commencé tout point hôpital, j'ai vu hier. N'hésitez pas à voir Monsieur Pargo. Puis re, du coup, Monsieur Pargo, Werlin et tous ceux que j'ai vu tout à l'heure. C'était pas mal, merci. Bah, j'avais vu une partie du live, du coup, mais j'étais parti un petit peu avant pour préparer mon live. J'espère que ça se passe super bien votre jeudi après-midi, tout le monde. J'espère passer un super jeudi après-midi. Bon, là, on a dû recommencer le jeu puisque, bon, j'ai fait un bon début de live où j'ai farmé un monde avec toutes les cages. Donc, on est arrivé à 16 vies. Mais il s'est passé un truc, c'est que j'ai recommencé le monde de la dernière fois, les caves de Scope. Et le premier monde, bon, j'ai passé le premier niveau tranquillement. Par contre, le deuxième niveau, ben, il m'a pissé dessus. Clairement, il m'a pissé dessus, il m'a chié dessus. Et là, j'ai dû recommencer puisque je suis mort 11 fois à peu près. Donc, je vais faire une sauvegarde pour éviter de relancer le jeu à chaque fois parce que ça va être chiant pour vous de relancer le jeu tous les 5 minutes, etc. Alors que là, on a juste à relancer la sauvegarde à chaque fois. Alors, Tatakam. C'est pas mal, merci. Bah, c'est super, Monsieur Pargo. Ça fait plaisir, plaisir que t'as passé un très très bon live. Moi, quand tu me dis que t'as passé un très bon live, moi, je suis super content. Enfin, quand tout le monde nous dit qu'il a passé un super live, super content. Pargo, alors attends, top, ma Pargo a fait des remerciements à la fin de son stream et il m'a oublié moi, tu t'en rends compte? Ah d'accord. Ah, t'as oublié Warline. T'as oublié Warline du coup. Ah non, ça marche pas, hein, Victor Warline ici. Mais je peux l'ajouter, hein, Victoire Pargo, Victor Warline, hein. Ce sera une petite dédicace pour votre live avec. Mais par contre, moi, ce sera pas les mêmes victoires que toi, évidemment. Ce sera mes victoires personnalisées. Qui seront différents, mais largement différents des tiens. Histoire de faire un petit hommage à vous. Bon, après je peux, hein, c'est juste une proposition. Bon, vous savez, pour l'instant, je ne demande pas d'être ça ou pas pour les sons. Quand on sera un peu plus nombreux, évidemment, ce sera pas pareil. Je ne reste pas longtemps, ça me fait plaisir que tu passes aussi. C'est rare qu'on se croise, donc c'était l'occasion de te raid. C'est vrai que c'est rare qu'on se croise entre nous en double fois. C'est-à-dire que moi, je viens sur ton live longtemps et toi, tu passes faire un coucou. Mais ça fait toujours plaisir, de toute façon, t'es à la maison ici. Hein. Hein, les VIP sont à la maison ici, que ce soit Monsieur Pargo, Blanco, Canute, même Warline, même tout le monde, vous êtes à la maison ici. Fade Pargo. Ah, t'as fait une commande Fade Pargo? Je savais pas ça. Faut que je regarde. Première fois que je passe sur le live. En tout cas, merci encore pour ton raid, Monsieur Pargo, ça fait super plaisir. Ça fait plaisir de ta part, ça fait toujours plaisir. Ah, personnalisé. Eh ouais, bah, je propose après un mot. Vous savez, j'ai une mise de son. N'hésitez pas. Point d'exclamation SONS.
J'ai une petite liste de sons, n'hésitez même pas. Bah si, mais même Merlin, ça veut dire quoi? Bah merci, vous êtes tous les bienvenus. Vous êtes tous les bienvenus, hein, même. Non mais Merlin, parce que t'es pas VIP par rapport à ce que j'ai prévu. Même Matin Games, c'est-à-dire tout le monde, vous êtes à la maison ici. Vous savez en plus. C'est une grande maison, une grande famille. Il y en a qui préfèrent Merlin. Oh non, je meurs, je vous dis vos conneries, je meurs. Pourquoi je l'ai lu? Ça, c'est des conneries un peu que vous dites. Et moi, je meurs là. Moi, je vais faire une sauvegarde ici, du coup, la sauvegarde que je parlais. Allez. À 15 vies. Bon. En plus, on pourra toujours revenir en arrière en cas où. Allez, c'est parti. Bon. Assez rigolé. J'ai pris un moment pendant le raid. Mais là, je vais essayer de me concentrer, du coup. Alors, il me manque 4 cages non connues encore dans le jeu. Dans ce passage. Je pense que ce sera dans les 3, 4 autres mondes qu'on n'a pas encore découvert. Non, personne préfère Berlin. Après, chacun préfère chacun. Ah, Matt est parti rejouer au casino, ça y est. Matt qui est avare d'argent, il est reparti faire sa petite dépense. N'hésitez pas, en tout cas, point d'exclamation SONS, il y a une liste de sons, mettez vos song requests aussi. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, ceux qui n'ont pas encore rejoint le Discord est bienvenu aussi pour si vous voulez voir mes horaires de live, etc. Le Discord est fait pour vous. N'hésitez vraiment pas à aller voir le Discord. Hop. Discord. Ah, c'est bizarre que le Discord ne marche pas. Ah, je sais pourquoi il marche pas, monsieur Matt. Alors, je sais pourquoi il marche pas. Alors attends, je vais le mettre le Discord parce qu'en fait c'est que les modérateurs qui peuvent le mettre. J'ai pas mis pour les VIP, je vais le mettre pour les VIP aussi vu que les VIP le connaissaient bien. Donc point d'exclamation Discord, je l'ai mis que pour les, pour, que pour le. Ah, j'arrive plus à écrire. Voilà, n'hésitez pas à rejoindre le Discord du coup. La liste des horaires, les annonces aussi de mes lives, des jeux que je vais faire en live prochainement. Alors là, vu qu'on est à la moitié du live, je vais vous refaire une petite annonce. Vu qu'on est un peu plus nombreux, etc. J'ai prévu la semaine prochaine de faire un live 3h du vendredi. Donc je choisirai déjà l'horaire. Donc quoi qu'il se passe, même s'il y a des lives à modérer, quelle que soit la situation, je serai en stream quoi qu'il arrive à ces horaires-là. Ça sera prévu sur Mans of Medans qui arrive le 30 août, donc vendredi prochain. Et comme je ne peux pas le live avant, si jamais il sortirait plus tôt, on va relancer le passage parce que je fais que mourir, c'est un peu con. Donc il y a Mass of Medan qui sort le 30 août les amis, donc je fais une petite pause pour vous l'expliquer. Je vais le faire 3 heures de live pour la découverte du jeu le jour même. Donc ce sera vendredi 30 août, n'hésitez pas à être là. Je vous dirai les horaires sur le Discord évidemment, comme d'habitude. Et il y a un second live qui sera 2 heures de live sur Dokkan Battle en live, en Discord, vocal avec Joyoon, qui sera là pendant 2 heures pour un petit peu qu'il fasse part de certaines choses. Et en plus c'est les 3... 100 millions de téléchargements du jeu, donc on pourra ensemble découvrir des portails, etc. Des nouveaux persos. On ira peut-être faire quelques défis esprit pour les 300 millions de téléchargements. On sera un live 2 heures sur Dokkan, c'est sûrement avant la rentrée. Pour l'instant, j'ai pas de date précise, mais n'hésitez pas à être au rendez-vous, vous êtes les bienvenus. C'est bientôt, je vous dirai. Ce sera pas la semaine prochaine, ce sera peut-être encore la semaine d'après. N'hésitez pas, les amis. Hein. Hop! Et en plus, on est passé. Alors, je suis pas sûr, dites-le moi. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous avons atteint les 100 followers. Je crois. Les 100 followers, ouais. Exactement, on est à 100 followers grâce à deux follow en début de live. Merci encore à eux. On a atteint les 100 followers et Mass of Medans de Dark Pictures, qui est un jeu d'horreur. Qui est un tout nouveau jeu d'horreur. Alors, pour ceux qui connaissent Until Dawn, parmi vous, Mass of Medans, c'est un petit peu les. C'est un peu le nouveau Until Dawn. C'est la même boîte qui a fait le jeu, etc. Qui font ce jeu. Et qui va être un très beau jeu d'horreur, je le sens. On va s'amuser dessus. Il faudra me le rappeler. Ben, y a pas de souci. Après, il y a sur le Discord, n'hésitez pas. Sinon, ouais, dans tous les cas, je pourrais rappeler. Ben, si tu repasses sur le live ou quoi, je le rappellerai. Y a pas de souci. Je le rappelle assez souvent quand je suis sur le live, les prochains lives. Là, ce week-end, nous avons du Crash Team Racing, normalement. Je dis bien normalement. Tout dépend de si on me dit à la dernière minute, ouais, Dofus, il y serve, là, je sais plus quoi, il y serve le serveur où on peut farmer entre nous. Ben, on pourra le faire. Pour l'instant, c'est pas prévu. En tout cas.
Hop, alors attendez. Ouais, 100 GG, merci Matt pour les GG. Ouais, ça y est, les 100 followers. Bon, on était à 99. Bon, on est passé à 98. C'est comme ça. Mais là, on a réussi à atteindre quand même les 100. Bah, merci en tout cas, ça fait super plaisir d'être les bienvenus, les amis. Et merci, monsieur Matt In Games. Quel bon streamer, ce Matt In Games. Un des streamers que j'aime le plus en ce moment. Bon, que je vais beaucoup voir en ce moment en plus. C'est un petit peu. Ouh, attendez, 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 excusez-moi, je vous interromps. Mais on a même découvert un passage secret là, avec une cage en plus. Attendez! Attendez ce passage secret là. Je le connaissais pas. Oh, intéressant. Attendez, attendez, comment on l'atteint ce passage secret, les amis? Vous avez bien vu, il y a une cage, on n'a pas rêvé. Oh, j'ai des ralentissements de jeu, qu'est-ce qui s'est passé? Alors attendez. Je suis en train de faire n'importe quoi, excusez-moi. Super pour les cendres, bah merci Wines pour les remerciements. Et merci encore Matt pour l'hébergement. Bon, je suis donné, je dois y aller. Et salut Canute, salut Monsieur Canute, comment tu vas? Et vous savez quoi? Monsieur Canute, que je commence à très bien connaître. Et c'est quelqu'un que j'adore beaucoup. Alors je me trompe peut-être, hein, sinon je le ferai hors live. Attendez. Et comment tu vas, monsieur Canou? J'espère que t'as passé une très belle journée, du coup. J'espère que t'as passé une très très belle journée de ton côté. Moi, ça va super, ça va super. Donc, je vais faire un petit esso pour monsieur Canou, évidemment. Attendez. Un petit esso pour monsieur Canou, qui est un super streamer de qualité, qui fait le PlayStation 2 Challenge, qui nous fait du Zeldaton le dimanche. Là, il nous a fini Resident Evil 2, qui va faire le 3 Nemesis dans pas longtemps, je crois. Il a prévu de faire d'autres Resident Evil par la suite, évidemment. Il va faire tous les Resident Evil, je crois. Il nous fait aussi quoi d'autre? Quoi d'autre? Est-ce que j'ai loupé des jeux, monsieur Canute? N'hésite pas à me le dire. Et puis, bien, bonne fin d'après-midi, Werlin. Merci d'être passé, ça fait super plaisir. Amour sur toi. Passe un très très bon jeudi, même si c'est bientôt la fin. Ça fait plaisir. Et on se reverra chez Monsieur Pargo, peut-être ici, peut-être chez Blanco, où que ça soit, mais ça fait toujours plaisir de vous voir. Merci encore, Aline. Et puis à la prochaine, du coup. On a quand même pas mal de VIP. J'étais en train de regarder un truc. Et puis, j'ai vu quoi d'autre? Ben, c'est tout. Et on continue le jeu. On continue le jeu. On a deux cages, je sais pas comment on va les avoir. Peut-être la guerre aux cages. On va se faire mal. On va souffrir pour avoir les cages. J'ai pas la solution en plus pour les cages. Allez, on commence à faire des vies. Allez. Ah tiens, fait pour changer. Tu fais que gagner au casino. Ah, tu rejoues au casino, Matt. Ben, ça fait plaisir que tu gagnes. Bientôt, je vais ajouter des nouveaux systèmes pour le casino. Quand j'aurai une meilleure liste de jeux, quand mon live aura un petit peu avancé, j'aurai plus de choses dessus de améliorer. Je ferai ça. Nickel, je quitte le taf. J'espère que t'as passé une bonne journée en tout cas, monsieur Canute. Est-ce que tu streams ce soir? Première question, est-ce que tu streams ce soir? Pareil que Matt, est-ce que vous streamez ce soir? Bon, Matt, je crois que tu m'avais dit que tu streamais peut-être ce soir, je crois. Donc, n'hésitez pas à me le dire hein, si vous streamez ce soir. Ok. Donc, Matt, normalement. Oui, Little Nightmare. Ah bah, il faut aussi Little Nightmare, du coup. C'est vrai qu'il y avait une liste de trois jeux, Monsieur Canute, qui allait faire. Ouais, je me rappelle, c'est bon, ça me revient. N'hésitez pas, en tout cas, à aller voir Monsieur Canute, Matt In Games, Dr. Pargo. Que des streamers. Et même Gus. Même Gus, hein, n'hésitez pas à le voir, qui était là en début de live. N'hésitez pas à le voir aussi. Ça fait plaisir, ils sont tous sympas, en plus. C'est une très gentille commu. Bon, on va essayer de se concentrer après ce petit moment publicité. Parce que là, on galère ici. Hein. Pour vous tout vous dire, on est en plein galère. On va faire que mourir ici. Et ça va être très chiant au bout d'un moment. À tel point que j'ai pas envie de finir le live dessus. Ce serait un peu con. La dernière fois, on a fini le live par une défaite. Pourquoi pas changer et finir par une victoire? Allez. Je confirme les galères. Exactement, ouais, bah là je galère, ça fait je sais pas combien de temps que je suis ici.
Ah, les caséoscopes, c'est pas facile, hein, le souvenir. Je me rappelle que c'est très très compliqué. En tout cas, c'est un plaisir de vous voir pour un jeudi après-midi très calme, mais toujours un plaisir. Calme ou pas calme, vous êtes superbe. Ah, on a réussi, ça y est. Oh, on a réussi enfin. Ah, moi je continue. Alors là, j'avance, je recule même plus. Je vous le dis de suite, là j'avance. Oh purée, on a réussi ce passage de merde. Quel passage de merde, je vous promets. Ah, ça c'est la musique du deuxième saxe. Hop, le point doré, nickel. Ah, on a loupé une vie. Oh ben, fuck la vie, hein, vous savez quoi? Enfin, pas la vraie vie, hein, la fuck la vie dans le jeu. Donc ici, et je crois qu'il faut rester au milieu. Voilà, je me rappelle, ça y est. Là, le truc va aller vite, et il y a un truc à récupérer ici, mais j'ai 0 lums. Bah, bravo. Ah oui, c'est là où j'étais mort la dernière fois. Mais j'ai fait, on va devoir tout recommencer, Matt. Parce qu'on est mort là. Et merci, monsieur Canut, pour le host. Merci, l'ami. Merci, c'est super gentil de ta part. Merci à toi. Vous êtes super gentil aujourd'hui, les amis, ça fait plaisir. Vous savez, même quand on est moins nombreux, c'est encore plus super, franchement. Mais merci à vous. Alors, oui, n'oubliez pas aussi de. N'oubliez pas qu'il y a des commandes telles que les sons, ma chaîne, Casino Play, le Discord, je le redirai jamais assez. N'hésitez pas. Bon, le Discord, vous pouvez le rejoindre depuis. Vu qu'il n'y a pas de modérateur, quand je peux pas le faire, vous pouvez aussi le rejoindre dans la description si vous êtes sur PC ou téléphone, ça marche, hein, je pense. Allez! Passage de merde! De rien, amour sur toi, mais amour sur toi, monsieur Canute. Gros amour sur toi. Ah, bah, comme voilà. Oui, le casino. Il peut-être rajouter une nouvelle commande à bientôt, hein, mais il faut que je réfléchisse. Vous savez quoi, on va. Vu que c'est calme, on va faire un truc. Je vais voir si ça marche. Allez, je vous lance un petit bingo. Ce sera entre Matt et Canute pour l'instant. Comme ça, peut-être Matt, tu vas pouvoir te refaire un peu d'argent. Hein, qui sait? N'hésitez pas. De toute façon, bientôt l'argent ça va servir. Hein. Je vous le dis de suite, bientôt vous allez être pauvre. Parce que là, vous avez beaucoup d'argent, mais bientôt, je vais bientôt ajouter une commande. Math. 69. Ça peut marcher, hein. Attends, mine de rien, c'est un chiffre. Hein. Pourquoi ça marche pas? Ah, j'espère vraiment qu'on va finir ce Rainman. Parce qu'il est très très dur hein, ce passage. J'ai jamais autant galéré dans un jeu Rainman que ce passage. Je crois que ce passage, on a eu plus de temps pour l'instant. Il y a bien un moment quelqu'un qui gagnera, de toute façon, vous inquiétez pas. Peut-être pas, hein. Peut-être que la victoire restera. Oh, mais regardez, je meurs encore. Toby. Alors. Bon, il nous reste 9 vies. On va bientôt devoir relancer. Ah, bah en ce moment, le 15 minutes, c'est gagné, Matt. Après, en ce moment, le casino, il est riche, donc il peut permettre de les faire gagner. Moi, je lui ai dit le casino, elle fait qu'il gagne un peu mat, comme ça, il reviendra plus souvent au casino, et puis après, on lui prend tous ses thunes. Imaginez, je joue comme ça. Hey, je suis le don, hein. Faut bien que je vous arnaque un petit peu, les gens. Ça serait pas marrant. Allez, s'il vous plaît, ce passage de merde, là, que je passe, si on en termine. Et voilà, on est encore mort. Ah mais ce passage il est maudit, il est maudit. Il est maudit ce passage, j'y arriverai jamais. Hein. 1h09 de live, on a juste qu'à gagner 2 cages. Voilà. Enfin, non, 4 cages, 4 cages, pardon. Parce que j'ai oublié les cages qu'on a gagné là-haut dans ce monde-là. Non, non, on a que 2 cages, on a que 3 cages ici. Il nous manque 2, je sais où elles sont, on les a vues. Je me demande si dans le monde 3 ou dans le monde 4, on revient pas ici dans le monde 1, mais plus haut, etc. Peut-être, hein. Je crois que je regarde. Faut faire attention aux détails. C'est bizarre, on peut pas voir les cages ici et là-bas. On a tout essayé hein, pourtant. Je sûr c'est un truc tout con pour avoir la cage. C'est faut sauter 10 fois sur un machin comme ça là.
Oh là là, bon, Redman il fait nappe. Redman il veut pas. Il veut pas finir. Alors qu'est-ce que c'est? Ah, c'est les sons de Celica et de James Sax qui commencent à se lancer. Allez! Faut qu'on finisse ce bon Redman! Oh! Malheur, malheur, malheur! Attendez, attendez. 2 secondes. Je coupe le micro 2 secondes. J'ai plus basse sur mon PC. Il n'y a plus de batterie sur mon PC, vous imaginez mon live se coupe en plein milieu parce qu'il n'y a plus de batterie. Allez, on reprend. Il n'y a plus de batterie sur mon PC, j'ai flippé, j'ai dit oh mon dieu, le live va se couper d'un coup, ils vont se demander quoi. On croit qu'il n'y a plus internet. Oh là là, mais c'est du fail sur fail hein, aujourd'hui. Allez, il faut vraiment qu'on finisse ce passage. Hein. On n'a plus que 7 vies déjà, vous imaginez? Le passage n'est pas facile. Hein. En plus, on a farmé des vies en off pour rien. C'est ça le pire. On s'est dit, bon, on a farmé des vies, c'est bien. Et voilà, on va en mourir. Et voilà, on repasse à 6 vies. Donc, on va devoir relancer. Pour ça, là, j'ai fait une sauvegarde pour pas tout recharger. Allez, on revient ici, comme si j'avais rechargé le live. Allez, on est reparti pour un tour. Donc on a dû récupérer la cage en arrière. C'est ce passage, il est pas facile. Il est pas facile du tout. Quand on va le finir ce passage, je vais tellement être content, vous imaginez même pas. Oh mais non, mais si je recharge le passage, c'est pas pour perdre toutes mes vies ici. Réfléchis le jeu. Oh là 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 là, c'est la cata, mais la cata. Ce niveau, il est vraiment impossible. Allez. Peut-être qu'il faut que je me concentre. En vrai, je peux mentir si je vois que j'avance plus sur Redman, je le mens pas dans le jeu. Parce que là, chou. Allez, on va y arriver. Désolé. Oh, pourquoi j'ai lu le chat? Là, je parle pas trop, je vide le disque de mon PC. Vite que dur dans mon PC, bah y'a pas de soucis, mais t'inquiète pas, Matt, c'est. Vous êtes pas obligé de parler, hein, vous pouvez rester en lurk, tout le monde peut rester en lurk, hein. Même si je parle et qu'il y a personne qui parle, vous savez, je m'arrêterai jamais de parler, moi, de toute façon. Que on parle ou pas, moi je parlerai tout le temps. Je suis quelqu'un qui parle tout le temps. Tu vois, t'entends toujours du son sur mon live, rarement un fond vide, sans bruit pendant plusieurs minutes. Même si je dis n'importe quoi, hein, même si je dois refaire ce passage-là, nanana, nanani. Mais j'aime bien parler en vrai, je suis. C'est pour ça aussi, j'aime bien faire des streams, parce que j'adore parler. Hop. Allez. Cette fois. On arrive au passage de merde, avec un chiffre 13 en plus. Ouais. Avec un chiffre 13. Comment on va être récompensé avec ce beau chiffre? Qu'on va réussir facilement. Ah, regardez, il me porte du malheur le chiffre 13. Allez. S'il vous plaît, le jeu. Que je finisse passage, que je finisse niveau aujourd'hui. Comme ça, on avance, au moins on va pouvoir continuer la prochaine fois. En vrai, je vais peut-être mettre le. En vrai, si aujourd'hui on n'avance pas, je vais mettre le jeu en stand-by 2 semaines. Hein. Je vous le dis. Tu vois qu'il y a Mass of Medan en plus qui arrive et tout. Je sais pas quand encore quel jeu je voulais mettre en stand-by, bah, ce sera celui-là. Hein. Parce que je me retape pas ce jeu 10 000 fois, hein, je vous le dis. Il va falloir à un moment donné qu'on avance, qu'on fasse d'autres jeux aussi. Ouais, qu'on meurt. Ah, nanana. Putain, il est 16h54. Hein. On a fait la moitié du live. Allez, concentrons-nous. Ok, ici. Ici, on va sauter tranquillou. Ici pareil. Ok. Allez. Ok. Ok, le jeu, stoppé.
Arrête de me faire tuer le jeu parce qu'on a encore plein de niveaux à faire derrière. J'en ai marre de farmer des vies aussi à chaque fois pour les lives. Problème, pourquoi je ferme les vies? C'est parce que si on fait sans vie. Oh, ça y est, j'ai trouvé. Ah purée, moi je meurs quand je trouve un truc important du jeu. Je sais pas si vous l'avez vu, les amis. Si vous l'avez vu, c'est obligé, vous l'avez vu. Vous l'avez vu. Regardez. Hop. Ici. Voilà. À un moment, il y a une plateforme qu'on peut agripper pendant les plateformes là, qui disparaissent. Il faut juste qu'on arrive à l'agripper et monter. Peut-être, hein, j'ai dû. Allez, moustique de merde, il va monter en haut, voilà, allez. Ensuite, on va sauter ici. Allez, prends-toi des dégâts, de toute façon, c'est au point où on en est, je t'en veux pas. Voilà, ici. Attendez, mais non, on l'a déjà vu, c'était le point, bah ouais. Ah, attendez, j'étais de l'astuce, non? Ok, bon. Bref, on arrive ici. Passage de merde. Tout le monde le sait. Me dites peut-être qu'il y a des trucs qui apparaissent si on prend certaines plateformes ou etc. Ah, peut-être j'ai l'astuce. Ça y est, j'ai peut-être l'astuce. Non, c'est pas du tout ça. Je teste des trucs. Hein. Je vais vraiment pouvoir trouver le moyen de récupérer toutes ces cages. Même si c'est pas facile. Bientôt, je vais mettre ma même playlist à moi, celle qui sera tout le temps là de Song Request. Je mettrai des nouveaux sons. Parce que c'est sur les mêmes sons qu'on entend. Ce son-là, on l'a déjà entendu dans le premier live Rain Man, hein, dites-vous. Donc, pour dire, ça date. Hein. Ça date de plus d'un mois. Donc, on va commencer à remettre les sons à jour aussi. Bon, pas que je les aime pas, hein, c'est des bons sons, mais pour varier un petit peu, pour du renouveau, un petit peu, c'est toujours les mêmes sons. Ok. Bon. S'il te plaît, le jeu. J'ai 11 vies, ça va. Maintenant, laisse-moi finir ce passage. Allez, là c'est bon, ok. Ok, c'est pas encore le bon saut. Ok, là c'est bon. Ah, bien vu. Très bien joué de la part du Pico là, qui me casse les couilles en plus. Ok, on a le point doré. Il se passe quoi si on arrive à détruire ça? On peut pas en fait, je crois. Ok, donc ici. Faut se mettre à peu près, voilà. Voilà, ici. Hop, à gauche, il y a rien. Ah si, je vais être à l'OMS. On va aller à gauche. Allez, on va se dire une vie gratuite. Gratis. Ah, au moins, on aura un truc différent de ce qu'on fait d'habitude. Toutes mes musiques, elles sont passées. Il n'y a que les sons de James Sax. Allez, faut occuper à tous les lunes là. Hop. Allez, on va occuper à tous les lunes. Allez, te loupe pas, te foire pas, fais pas comme dans Aladdin, commence pas à tout foirer là. Allez. Ouh. Allez, allez, on peut le faire les amis, j'y crois. C'est la dernière, non? Non. Dis-moi que c'est fini après. C'est la dernière? Oh non, il reste une... on avait une vie gratuite. On retente? Allez, on retente. On retente, de toute façon, ça nous fait du changement. On se pose un petit peu, là, petite pause du niveau. Pas oublier que la plateforme à droite, elle va disparaître. Elle disparaît, elle réapparaît. Ça, faut pas l'oublier, les amis. C'est ça qui nous a fait tuer tout à l'heure. Cette fois, on l'oublie pas. Allez, hop, on va y arriver, on va y arriver. Allez hop. Ok, y'a pas de l'homme, c'est pas l'homme, c'est bon, y'a pas de l'homme, y'a pas de l'homme, tu loupes rien, vas-y, continue. Ok. Ok, vite, 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 récupérez les derniers l'homme. Ok, y'en a un là, et le dernier là. C'est bon?
On a une vie. On a gagné une vie, les amis. Allez, te regarder. On a 12 vies ici. On a 12 vies ici. Ok. Ok, ok, ok. On a 12 vies ici. On sauvegarde pas. C'est la triche. Ok, on a passé ce passage de merde. Ça fait du niveau. Oh, c'est la fin du niveau. On avance enfin dans le jeu, Matt. Parce que tu viens de faire un gg, pour ça je dis Matt. Oh, oh là 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 là, on a fini. On a fini ce passage de merde. Mais il n'y avait pas aussi. Ah purée, c'est le monde d'après qui a 6 sections. C'est le monde de Joe. Oh purée, on va enfin une sauvegarde du coup. Enfin les amis, on progresse dans le jeu. J'espère qu'on va finir les mondes de Dieu aujourd'hui, comme ça on n'a plus qu'à aller fermer les cages après. Ah yeah, yes. Ah ouais bah Matt, tu imagines pas comment je suis content. Manger chez Joe. Allez, on va aller sur une petite île paradisiaque. Regardez. Bonjour Joe. Est-ce que je peux avoir une boisson s'il te plaît? Faut que je le frappe quoi. Non. Ah non, faut que je tire la langue. Comment tire la langue les gars? Comment lui tire la langue? Faut lui tirer la langue. Voilà. Jordan Ironman, une luciole pour s'éclairer dans le noir. Oh non, c'est un niveau où on va être dans le noir. Oh non, c'est un niveau où on va être dans le noir. Oh purée, pour récupérer les cages ici, ça va être l'enfer. Oh mais les amis, on est parti dans un niveau, on est dans le noir. Et je crois que pour éclairer, il faut faire ça. Ouais, ça y est, ça me revient. Et je crois qu'on va faire les 6 niveaux dans le noir en plus, si je me trompe pas. Ah bah on a trouvé pire que le niveau d'avant. Allez. Parce qu'après non, c'était marrant. Là on est dans le noir. Ok, il fallait ici. Alors est-ce qu'il y a un truc à récupérer par la gauche? Oui, une plateforme pour une cage. Allez, première cage. Hasta la vista. Ok, est-ce qu'on peut revenir en arrière? Ah, on peut pas venir en arrière parce qu'on n'a pas commencé le niveau ici, d'accord. Non, mais c'est toujours intéressant. Alors, faut pas que je me loupe dans les plateformes. Ah, ça repop. Ils ont repop, ces enfoirés, là. Ok, il faut aller en haut. On a déjà récupéré une cage, c'est déjà pas mal. Ok, tout doucement, on a le temps. Ah, bien vu, le maître lui maintenant. Oh, ça va être dur ce passage. Il va être très très dur parce que je connais pas du tout le niveau. Faut pas que je l'apprenne à le connaître par cœur. Et tu me dis que c'est pas le dernier. Hein. Et tu me dis que c'est pas le dernier des derniers. Donc ici, ça va. Hop, ici ça va aussi. Hop, alors là il y a plus de cage à récupérer déjà, donc on est obligé d'aller par là. Donc là on sait qu'il y a un monsieur. Je tiens des missiles qui est pas mal dans le coin. Voilà, on va attendre. Laisse-toi, laisse-toi, laisse-toi. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Ok. Ok, on va falloir le tuer lui. Hop! Bye bye! Ok, alors ici. Ok, ici peut-être qu'il faut faire un truc comme ça pour avoir une récompense, non? Le problème c'est que le son du son gris quoi, j'entends pas si elle est cachée à Paris ou quoi, donc c'est... Ça m'embête un peu en vrai, hein, de pas entendre. Ah, y'a rien, hein. À gauche peut-être. Bon, oh, c'est en route vers l'inconnu, c'est ça? Ok, alors, ah ok, y'a un truc à gauche. Ok, donc là c'est d'où je viens, ok. En bas y'a quoi? Y'a un truc en bas. Ah, c'est la mort, ok. En bas y'avait la mort. Moi on sait qu'en bas y'avait la mort. Bah, c'est pas mal. Alors, revenons à notre niveau, au début du niveau. Bon, c'est le temps de pouvoir connaître la map. Hein. Après, on va voir comment c'est le niveau. Ça va être plus facile, hein, je pense. Là, au début, on connaît pas la map. Puis, dans le noir, c'est sûrement très très compliqué de base. Un jeu où t'es dans le noir. Bah, t'es pas entièrement dans le noir parce que là, tu t'as un peu de lampe. Mais bon. Donc là, faut se dépêcher parce que là, il y a monsieur. Monsieur, je suis. Je vais tirer des balles. Allez, vas-y, faut qu'on le tue, lui. Faut qu'on s'en débarrasse.
Ah, très bien. Bon, ici à quoi? Un mat qui vérifie son argent du casino. Ok, on peut continuer, il n'y a rien en bas. On avait été là, on est mort. Ah, une vie pour prendre un dégât, très bien. Donc, il y a quoi ici? Il y a une plateforme. Ensuite, il y a quoi? Une autre plateforme. Ensuite. Ok, on va continuer comme ça, hein, pour l'instant. Plateforme à plateforme. Bon, ça, le premier monde. Aïe, 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 je suis... Voilà, erreur. L'erreur fatale qui m'a tué. C'est coup, ça, hein. J'espère que le dernier monde n'est pas aussi dur que ça. Ah, là, c'est dur au début. On va faire que ça. On va faire que mourir. De suite, là, on va passer l'heure à mourir. Pour rappeler l'épisode de la mort. Clairement. Ce sera son vrai pseudo. Ah là là, en plus, il va falloir faire attention de ne pas se prendre des dégâts bêtement. Hop. Allez, on fera contre lui. Hop. Allez, on est parti, les amis. Donc ici, il faut qu'on saute pas trop vite, pas trop tard. Ah, bien vu, monsieur Fusée. Bah ouais, hein, il faut bien casser les couilles, il faut bien monsieur Fusée. Ah là, et ce passage, il va être vraiment, vraiment dur, hein, je vous le dis. Ok. Allez. Ici, point de sauvegarde entre guillemets. Allez, tout doucement on monte. La course n'est pas là. Ouh, la mort était pas loin. La mort, on l'a tous senti là, mais bon. Ça va, je suis vivant. Ok, premier niveau fini. Bon, c'est que le premier, hein. Attendez. Il en reste 5 peut-être dans le noir. Est-ce qu'on est dans le noir dans les autres? Ah, pas dans celui-là. Ok, dans celui-là, on est pas dans le noir. Alors. Ok, donc là, c'est quoi? C'est des plateformes qu'il va falloir qu'on suive? C'est ça tout le niveau ou à un moment donné, il se passe quelque chose? Ah ouais, tout spawn. Ah oui, je me rappelle, c'est un niveau où tu dois tout faire à l'improviste parce que tout spawn, c'est ça? Attendez, comment je casse ce truc? Allez, casse-moi ça. Alors attendez, parce que là, je connais pas du tout le niveau, donc je fais attention à tout ce qui arrive. Puis là je prends un dégât, je meurs. Ah, faut sauter, ok. Ici, il y a quoi? Ok, je l'ai vu, je l'ai arrivé. Je savais qu'il fallait venir ici, je me sentais. Ah. Ok, j'espère qu'on aura un P bientôt. Ok. Ah, se dépêcher, faut se dépêcher! Alors on fait ça et on revient en arrière, voilà. Ouais, non, c'est bon. Pas de stress, les amis. Le but, c'est vraiment... Si on peut récupérer la vie là-bas, on récupère toute notre santé. Allez. On va y arriver, on va y arriver. Alors, Sorenman. Bah écoute, monsieur Canute, c'est tendu, hein, je stresse. Parce que là, il est pas facile, le jeu. On arrive dans un point S. Ah oui, pas de stress, il y a un point S, c'est ça que tu voulais faire. Il y a une vie. Il y a une vie au-dessus, s'il vous plaît, je peux la récupérer. Je stresse, je panique, je veux la vie du dessus. Oui, on a récupéré la vie, comme ça on a toute notre santé. Oh purée. Oui, monsieur Canute, bah du coup, ce Redman il est super, super, super dur. Oula, oui, il y a plein de monsieur ici. Bon, ok, bon, laissez tomber. Ah, il y a point P, voilà. Pas de stress, il y a point P. Oh, il y a une sauvegarde dessus. Attendez. On va essayer de pas de faire de conneries. Ok, pas mal, pas mal, pas mal. Allez, on va sauvegarder. On va récupérer la cage du dessus. On fait une sauvegarde en deux niveaux. On fait une sauvegarde. Hein, parce que là, on vit, ça va. On en est. Allez. On va essayer d'aller plus loin. Parce qu'il y a peut-être encore une cage à récupérer. Qui sait? Moi, pour moi, on a loupé qu'une cage, je pense. Et je pense qu'on l'a loupé quand on était dans le noir. Parce que dans le noir, avoir toutes les cages, hein, c'est vraiment chaud. Et franchement, on progresse. Regardez, il y a une cage là-haut.
Faut qu'on aille la chercher. Hein. Oh non, mais non, mais regardez, je vais avoir un coup de malheur, je le sens. Ah non. Allez, si on peut récupérer la cage, les amis, ce serait super. Ouh. Allez, on monte en haut tranquillement. Alors là, il va falloir de la vitesse, hein, parce que là, il faut pas se louper dans le saut pour pouvoir sauter et vite rattraper le truc là-bas. Ouah, ça va être galère, on va galérer, mais il me le faut. Je veux la cage. J'ai pas envie de refaire 50 000 fois le même niveau. Et puis au moins, c'est un passage qu'on aura plus à faire après. Là, c'est une majeure laser, ça. Allez. Ouh. Hop. Je peux même plus jouer, j'ai la limite. J'atteins la limite journalière. Ah, sur le Casino Play. T'es à la limite. Ah, j'arrive pas à l'atteindre ce truc. Ah, bientôt, on va l'avoir, on va l'avoir. Faut que je me concentre. Aïe, aïe. Allez, on va l'avoir, les amis, c'est pas possible qu'il nous... Ouh. Quel jeu stressant. Mais j'adore. Non, j'adore, c'est son côté stressant. Alors, ici, il y a une cage. Avec un truc qui est arrivé derrière nous. Je l'ai déjà entendu arriver. Ok, dégagez-vous. Bon, on remonte en haut. Avec un bug de son de jeu bizarre. Oh purée, c'est quoi ce passage de merde? Oh. Allez. Oui, pour une vie en plus. Oh là là, et le jeu, il me porte bonheur, ça y est. Il se passe quoi là? Le jeu me porte bonheur. Ok, bon, on fait une petite sauvegarde. J'ai trop envie de sauvegarder le jeu, mais bon, les amis, il faut qu'on fasse au moins le niveau 2 avant de sauvegarder, sinon c'est un peu de la triche. Parce que là, on a quand même récupéré mal de choses. Oh, je suis sûr qu'il faut un truc par ici. Il n'y a rien, ok. Ah, yes, ok. Ouh. Je suis tellement concentré pour ce passage. Ok. Allez, bâtard. Allez, petit bâtard. Ok. On va pas aller à gauche, hein, de suite. Ah bah, quoique. Allez, ramène-moi. On a récupéré un beau petit P. Hop. Tu disparais, toi aussi? Non, ça va. Oh, ici. Oh, plus qu'une vie, plus qu'une vie. Non, attention, attention, Rayman, n'a plus qu'une vie. On a loupé une cage. Ah non, on a fait le niveau, on va pouvoir sauvegarder. On va pouvoir sauvegarder, les amis. Y'a un truc ici? Non, y'a rien. On a quand même pas mal de cages, hein, je crois. On en a 4 sur 6. Ça va en vrai. Hein. Bon, on va faire la sauvegarde ici, comme on a la moitié, je pense, du passage. On n'a pas sauvegardé depuis un moment en plus. On progresse bien en plus, hein. Donc ce serait un peu con de mourir. Bon, voilà, comme là. Bah, ça va, il y a quand même 11 vies ici, sachant qu'il y a peut-être encore 4 niveaux. Et après, il ne reste plus qu'un passage et ouais, bah GG, ouais, ça va le matin. GG, hein. On avance bien dans le jeu, ça me fait du bien parce que vu qu'on avance dans le jeu, moi ça me donne envie de continuer le jeu. Donc du coup, c'est gagnant-gagnant. C'est gagnant-gagnant. Oh, il y a un moustique quand on le voit lui. Ah, il saute ici. Je m'en suis douté qu'il allait me mettre une fête. Oh, le bâtard. Il m'a triple enculé, le moustique. Il m'a attaqué à la sortie, il m'a attaqué quand il a voulu monter en haut, il m'a attaqué avec son pic à la fin. Il m'a mis le triple foc. Vraiment, là, je peux dire, il m'a mis le triple foc, cet enfoiré. Là, il va spawn. Ah, bah ouais, il va prendre trop de temps, hein, Redman. Hein. Oh, il est dur à esquiver le moustique aussi. Il va me casser les couilles. Je m'en suis douté qu'il allait avoir des moustiques. T'as, c'est pire que l'été, hein, les moustiques dans le jeu. Hein. Ils tuent carrément. Hop. Allez. Fais demi-tour, fais demi-tour. Mais fais demi-tour, Redman. Merde. Putain, réfléchis dans ta tête. Ah, je vais le tuer, sinon je peux pas avancer. Ok, d'accord.
ce jeu commence à me faire stresser. Et voilà, il va mourir ici, ce connard. Bah ouais, quel tri, toi, oh là là. Je m'en suis douté, je l'ai vu arriver. Je l'ai vu arrêter, cet enfoiré. Eh, j'ai de la patience quand même, hein. Parce que, hein, il y en a plein, il aurait dû arrêter le jeu, hein, je veux dire. On connaît, moi, dans mon entourage, en tout cas, dans mes proches, amis proches. IRL, hein, parce que virtuel, c'est pas pareil. Doucement l'argent, dirait Linko. Ah, bah écoute. Regarde le moustique aussi, il me troll. C'est le pire moustique des jeux vidéo. Allez, vas-y, finis-moi ce passage. Trois moustiques, bah ouais, hein, allez, bande de. Oh là là, ce passage, il va être chaud. Ah, je rage souvent. Bah là, on meurt à la. Quand on meurt à la chaîne Canout, tu vas voir. Oh, je vais rager souvent, souvent. Bon, là, on va jusqu'au game over, hein, à partir de maintenant. Vu qu'on a bien avancé dans le jeu. On va jusqu'au game over. Si au game over, bah on meurt, bah on re. Mais le pire, c'est que je change de jeu. Oh, vas-y, vous savez quoi. On va dire que le jeu, il est fait pour nous détruire, notre vie. Vas-y, bah, la vie, elle est nulle, hein. Merci le jeu. Là, on tue en 4 coups. J'adore comment je rage. Ah, mais regardez, je compte. Mais comment tu veux passer ce passage? Oh là 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 là. C'est un passage de. Oh, les moustiques de là tout à l'heure, il est revenu. Il y a des moustiques partout. Oh là 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 là. Alors là, on va galérer. Hein. Je sais pas pourquoi on va finir le live dessus, je le sens. On va reprendre le live ici bientôt. En plus, je vais pas arrêter plus tard le live, j'ai oublié d'arrêter à 18h. Mais oh, bah, vous savez quoi, vas-y, ma vie. Allez, vas-y, meurs tout le temps. Pff, allez, prêt. meurs à l'infini, qu'on meure ici à l'infini, qu'on arrête le jeu même ici. On peut pas dire que Rayman est si facile finalement. Là, il est dur par contre. Là, c'est pas moi qui est nul, là, il est dur hein, le passage. Vraiment, il est hard. Hein. Je vais le dire, mais il est hard, c'est pas ça. Il est trollé à chaque fois. Arrête de trollever. Je devrais bien faire un Zelda en live, MDR. Ah, surtout le Majora's Mask, puisque alors, je l'apprécie pas trop. Mais en plus, vu que je connais pas très bien. Allez, dépêche-toi. Oh là là, vas-y, mais en courant, ça marche pas. Bah après, si c'est au Canal of Time, j'aurais pas ragé. Je pense, mais genre, je pense que ouais, vous êtes Majora's Mask, c'est le seul qui m'aurait fait rager. Zelda. Oh là 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 là, 22. Ok, c'est bon, j'ai l'astuce pour esquiver le moustique. Non. Bon, par contre, on prend des dégâts maintenant. Allez, bats-moi ce moustique là. Abord la moustique. Surtout l'été. On a plus 4 vies quoi. On arrive dans les passages. Les. Ouais, et puis vas-y. Et puis il meurt. Et puis vent d'enfer. Que Chétan t'emporte, cousin. Allez, vas-y. Oh, et puis il y a lui. Oh merde. Il y a lui maintenant. Allez, on relance. On relance, tant pis. Allez, on a 12 vies, c'est pas mal. Ouais, on a quand même 12 vies. Ah, s'il vous plaît, le jeu, laissez-moi finir ce monde. Que je puisse au moins prouver que j'ai avancé dans Redman et puis au moins montrer que le jeu est au fini, quoi. Parce que là, le jeu. Oh, ouais. Ah là là là. Bon, attendez, je vais faire un truc. Je vais juste baisser le son de mon côté. Le son du son du quest. Voilà. Bon, comme ça, j'ai moins de son dans les oreilles. Le temps de me concentrer un petit peu plus. Parce que la musique, elle est forte. Hein. Je vais pas vous mentir, elle est à 80 dans mes oreilles. Hein. Non, pas 80. 70, pardon. Elle est à 70. C'est quand même beaucoup. Et c'est peut-être ça en même temps qu'ils me disent. Oh, oh, oh. Ok, donc là, pour l'instant, on n'a pas perdu de vie. On n'a pas perdu de vie, doucement. Ici, on va se relever. Ici, on court. Hop, pour l'instant, on gère. On a toute notre vie. Mais ces moustiques là, ils font nappe.
Allez, encore une fois, de toute façon, on va pas se le prendre deux fois le moustique. Voilà, allez. On a progressé, ouais, en trichant. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah oui, faut activer le courant. Oh, je me rappelle de ce passage. On va s'amuser. Ah oui, c'est un glisse-au-rail. Et par moment, il y a des passages où on va devoir faire à gauche, à droite, puis après, on va devoir. Des fois, ça va tomber dans le vide tout seul. Vous allez voir. C'est amusant. Pas pour moi, hein. Pour vous, ça va être amusant. Ah! Ah, doucement, doucement! Oh! Doucement, doucement! 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 Calmez-vous! J'ai pas de paix en plus! Ouh! Ce passage-là aussi va être marrant, hein. Allez, on progresse! En plus, c'est un des meilleurs samba playlist qui se lance, donc j'espère que ça va m'aider. Allez. Ici. Ok, on court. Les moustiques, c'est de la merde. Faut le dire. On va juste esquiver, je pense, les deux là. Allez, c'est pas grave. On a deux vies. Ça va être dur de mourir, de finir avec trois vies. Oh! Ok. Ici. On active le courant, on a été désactivé donc c'est bon. Et on est reparti avec monsieur Glissorail. Allez, ça nous rappellera Tite Clank, les amis, le Glissorail. Donc il y a des bouboules, le dernier passage il est impossible à esquiver, enfin on doit l'esquiver, on est obligé. Donc là il faut se mettre le plus à gauche possible, sauf pour le dernier. Ok, il y a quoi d'autre ici? Ok, on progresse hein, petit à petit, hein. Pour notre temps, mais c'est en progressant de toute façon qu'on peut avancer, hein. C'est en faisant des erreurs aussi. Alors qu'est-ce qui se passe? On est revenu au début du niveau, c'est ça? Et voilà. On a fini le niveau. Il fallait juste faire un tour. Ok, on est quatrième niveau. Ok. Sauvegarde ou pas? Non, on sauvegarde au prochain niveau. Allez, ici je sens le passage de merde. Pas vous? Hop. Hop. Et puis là, ils vont revenir sur nous en arrière. Bah oui, bah voyons. Ok. Ah ouais, bah il faut être rapide, hein, Redman. Hein. Ah là là. Je suis de plus en plus concentré dans le jeu. Je sais pas si ça a marqué, je parle de moins en moins. Tellement j'ai envie de le finir ce passage. Je sais pas s'il y a un boss à la fin de ce niveau, de ces niveaux-là. Il y en a reste encore. Après ce monde-là, il reste encore deux mondes. Hein. Et après, deux niveaux. Avec des mondes, enfin, je sais pas quoi. Vous savez quoi, je vais dire les mondes. Donc là, c'est l'avant-dernier monde, l'avant-dernier niveau de ce monde, et encore trois secteurs là aussi à faire dans ce monde. Ok, ici on esquive. Ok, il se passe quoi? Il se passe quoi ici? Ok, faut juste esquiver par au-dessus. Ah non, faut se baisser, faut se baisser. On va perdre des vies, on va perdre des vies, mais c'est pas grave, hein, parce que vous savez. C'était farmé exprès pour les perdre, hein, de toute façon je les ai pas farmés pour les garder. Hein. On farmera pour le boss final évidemment. Puis on en refarmera peut-être un peu pour, garder, pour aller récupérer des cages. Parce qu'on va devoir les refaire les niveaux après. Hein. Donc c'est ça le plus marrant. C'est que c'est pas la fin. On va devoir les refaire pour avoir toutes les cages. C'est ça que j'ai bien voulu avoir toutes les cages. Hein. Mais bon, vous savez. C'est pas nous qui choisissons. Hein, si on a toutes les cages ou pas. Alors on est mort pourquoi ici? Est-ce qu'il fallait se mettre à gauche? Gauche, gauche, droite, gauche, droite. Bon, pour l'instant, ça va. Ici, bah, ça va. Ici, c'est facile. Voilà. Alors, ici, il y a sûrement un truc à faire. Oula, j'étais au bon endroit. Oh, j'étais bien synchronisé. J'étais au bon endroit. Ah, j'ai loupé un lums. Ok, pour l'instant, on gère. Deuxième plateforme. Allez. Ok, on évite la mort. Vous voyez, on serait revenu en arrière, on aurait pris des dégâts. Hop. Allez. On arrive à la fin là. Il y a deux chemins. On va aller sur le chemin celui-là. Bon, si on meurt, c'est pas grave. Hein. Je dis ça au moment où on va mourir. Mais si on meurt, c'est pas grave. Moi je dis ça, on meurt. Allez. Bon, au moins, on sait qu'il y a deux chemins à ce passage-là.
Et puis ça, ce passage-là, on revient au passage au monde d'avant, au pire. En essayant de prendre le moins de dégâts possible. Ça va, en vrai, pour l'instant, on gère mieux que prévu. Et peut-être qu'on va peut-être pouvoir finir ce monde avant la fin du live. Ce serait cool, comme ça, il ne resterait plus qu'un passage à faire. Qu'on essaiera aussi de faire, on essaiera de débuter si on a le temps. Avant de finir le stream, comme ça, on pourra avancer un petit peu. Après, il ne restera plus que les cages à récupérer. Et après, ben, on a fait le 100%. On a fait 100%, on finit le boss, et puis... Bah, elle va nous manquer. Sauf sa difficulté de merde. Allez, monte tout doucement. Prends ton temps. Ok, bon ici. Qu'est-ce qu'il y a se passer? Ah oui, il faut se mettre au milieu. Là, eh ben, on va bientôt devoir changer de plateforme, je crois. Ouais, ici. Donc là, on a la seconde plateforme qui est hyper simple. Franchement, si je me radais une plateforme, ce serait con. C'est juste qu'il faut activer... voilà, ici. Et après, on va leur changer de plateforme. Voilà, la troisième, elle est là. Donc, elle est aussi simple. Il faut juste baisser. 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 Pour avoir des lums en plus. Baisser. Tac, tac. Et on fait le choix. Allez, on va aller en haut. On va en haut. J'ai pris le risque. Et c'est la fin du niveau. Donc, on revient en arrière. On va aller voir ce qui est ici, tiens. Ah, un truc qui est apparu. Une cage. Attendez, imaginez la plateforme en bas, c'est une cage. Attendez, je vais voir. On va essayer. De toute façon, on a plus qu'à essayer pour voir. Allez, qu'est-ce que c'est ici? Dis-moi qu'il y a une cage. Ah, c'est une vie. Dommage. Ah, mon troll. Mon troll, ils m'ont pris les. J'ai pris mauvais. Qu'est-ce qui se passe si on utilise ça? Vous savez quoi? On va tester. Faut tester tout dans la vie. Eh, il y en a deux. Regardez, il y en a deux. C'est marrant. Bon, faut pas qu'on loupe la plateforme du haut. Celle. Ah, il y a un chemin à gauche. Oh bah, c'est. On a gagné une vie pour perdre une. Bah, du coup, il ne reste plus qu'une cage à avoir. Ah, j'espère vraiment qu'elle est dans le premier niveau. Comme ça, on aura juste à revenir en arrière. Ah, non, plus on est en arrière. On est obligé de finir le monde. J'espère qu'on l'a pas loupé. Comme ça, on aura plus qu'à. À faire deux mondes du trois mondes d'image et c'est le premier monde de chez Joe. Le mec c'est de gratter le plus possible pour pouvoir ouais ben bah, on va terminer, on est mort. Ah là 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 là, s'il te plaît le jeu. J'ai bien avancé en plus là. Dès qu'on est plus qu'à deux vies, je relance la sauvegarde pour le troisième monde. Mais on progresse. C'est ça le principal. Il me semble que j'ai loupé une cage hein, quelque part. J'en suis sûr et certain qu'on l'a loupé, elle est pas en avant. Je pense que c'est deux mondes de merde qu'on va se taper là. Ah non, c'est le monde 4, il en reste deux mondes, ouais. Ok. On ne fait plus de la moitié. Du coup, on a fait plus de la moitié du monde. C'est le monde le plus long du jeu, même le monde du boss est plus court, je crois, de souvenir. Après ça, on est tranquille. On est tranquille, après ça, on n'a plus qu'à récupérer toutes les cages de la cité des images, des caves de Corp, de Scorp. Parce que c'est le boss final, je pense. Je pense qu'il va être chiant aussi comme boss. Ah, ça aussi, il va falloir faire attention. J'espère qu'on l'affronte pas aujourd'hui. Je pense qu'on l'affrontera aujourd'hui, puisque Monsieur le Steam, on l'affrontait avant la fin du monde. Allez, cette fois, on va en haut, et on finit le niveau. On a 6 vies, mais on va sauvegarder quand même. Vous savez quoi, on va faire une petite sauvegarde. On a fait 2 tiers, avec une petite sauvegarde. Et sauvegarde rapide, 5. Hop. Alors, merci. Ah, Dieu est sorti de sa caverne. Oula. Ouais, il est beau ce monde, avec des ballons. Ouais, il est très beau. Je sais pas ce que vous en pensez, les gens, mais moi, je trouve très beau, ce monde. Ouais, il fallait où? Bah, il fallait où? Bah, attendez, on va recommencer. À moins que Dieu nous donne un truc, on l'a loupé. Non, je pense pas. Voir c'est un monde de faire que courir, je crois. Ah d'accord.
Il y a quelque chose qui nous pousse notre ballon. Je sais pas si vous l'avez vu. Ok, il y a quelque chose qui nous pousse le ballon. Allez! On revient là où on était. Donc ici, c'est ce ballon. Non, c'est le ballon du dessus. Donc là, il y a quelque chose qui a poussé notre ballon. Allez, pousse-nous. Pousse-nous encore. Pousse-nous encore. Allez, pousse encore. Voilà, mais c'est bien, merci, monsieur, monsieur. C'est gentil, ça. Je sentais pas le troll. Je sentais le troll ici, il y a le truc qui disparaît ou quoi. Ah, on perd toutes nos vies ici. Non. Non, on va devoir recommencer ici. Ah, il est pas facile, c'est pas ça aussi. Enfin, il est facile, mais il faut vraiment connaître les ballons, où ils sont situés, etc. Allez, pousse-nous le ballon. On va prendre 3 millions, le temps que le ballon il avance, on en a pour 2 heures. Yes, allez, pousse-nous une dernière fois. Bon, faut pas se louper ici hein, quand il pousse. Allez, pousse. Ok, allez, on continue. Oui, j'ai entendu un tulum. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un à un moment qui va nous pousser, peut-être pour aller chercher une cage, hein, je sais pas. Eh ben là, la dernière cage. On a la dernière cage. Oh purée les amis, on va plus trop taper ce monde de merde. Bon ça va, il est pas si merdique que ça encore ce monde. Un monde en... Ah d'accord, il y a des roquets qui nous fait chier, ok. Eh ça va en vrai, hein. Ce monde il est pas dur. Hein. C'est juste... Ah ouais, j'ai pas été jusqu'au bout, mais bon. On avait l'air d'être simple, ça va. Bon, au moins on va finir ce monde-là. C'est un 500% en plus de fait. En plus, parce qu'on a toutes les cages. Ouais, je suis content qu'on ait toutes les cages parce que je me suis dit on va devoir recommencer tous les mondes qu'on a fait auparavant. Bon, celui-là sera un monde en moins à faire. Ouais, attends, on l'a pas encore. Ah, si, on l'a récupéré, c'est bon. Attends, qu'on va devoir recommencer le niveau hein, parce que. Tu sais, Matt, vu les vies qui me restent, j'hésite vraiment à recommencer là en fait. Faut pas te mentir. J'hésite vraiment à recommencer. Eh oui, et puis lui, il me fait chier. Il me fait chier, lui, le poisson. Faut qu'il passe au moment où. Ah là 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 là. Bon bah c'est game over, on va relancer. Je sens le game over arriver. Bon c'est pas grave. Au moins on a 6 vies, on est au bon endroit. Je crois que le monde d'après il est rapide si on pourrait se le taper avant se le finir peut-être avant la fin du live. Comme ça il ne resterait plus qu'à aller farmer les cages de la cité des images. Et puis c'est super après, on n'a plus qu'à. On est bientôt à la fin du jeu de toute façon. Là pour moi là on a fait 80% du jeu. On a 80% du jeu après qu'on a fini ce monde là. C'est quand même pas mal, hein, 80% du jeu là, on a fait plus du 3 quarts. C'est bon, on l'a esquivé ce con. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils m'ont pas mis de boule? Oh, elle arrive, mais mes 3 ans. Ah ouais, mais ça aussi, il faut le savoir, les gens. Puis j'ai oublié la cage en plus, comme un con. Ouh. Faut être concentré, hein. Faut avoir de la patience pour ce genre de jeu. Allez, on va y arriver. Allez. Ouh. Et ça, c'est calme aujourd'hui, c'est une journée calme. C'est cool. Enfin, c'est cool et pas cool. Enfin, j'ai envie de dire que c'est cool et vous croyez que c'est une journée calme, mais c'est vraiment calme aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vraiment très 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 calme. Il y a... C'est jeudi, bon après c'est la fin des vacances, et les gens ils essaient de profiter aussi du maximum de la fin des vacances, il y a un peu de boulot aujourd'hui aussi. Puis moi je stream aussi à des heures vraiment. Oh purée, et puis là, je me troll. Je stream vraiment des moments aussi où les gens ils sont au boulot, etc. Mais je peux pas stream. Le soir je peux pas stream au-delà de 20h. Après ça fait très très tard. Pour expliquer un petit peu à ceux qui regardent la rediff ou qui sont là. Je peux pas streamer 21h le grand max limite. Le soir, je pas stream le soir, je préfère regarder le soir que stream. J'aime pas trop. Déjà, de 1, je suis moins motivé le soir à jouer aux jeux vidéo de base. Sauf vraiment des jeux où je farm. Mais des jeux en live et tout, je suis pas trop motivé le soir. Il y a ça qui joue aussi. Hein. Puis il y a déjà pas mal de monde le soir qui joue. Il faut varier un petit peu. Puis vous savez, même comme je dis, hein, même si on n'est pas nombreux, ça me fait toujours plaisir de vous voir.
Toutes les bienvenues. Bon, vas-y. Recharge. Ah, on est bloqué sur ce passage, hein. Vraiment. Je comprends pas parce que ce passage il est facile en plus. Je sais pas, il y a un problème avec les bonhommes qui bougent les boules. Je sais pas, ils sont chucheux. Je sais pas, ils sont bizarres, on dirait qu'ils ont fumé, je sais pas, regardez. Là ils poussent bien, et puis là-bas ils ont ramené une bouboule, et elle apparaît jamais la bouboule. Ah, moi je prends la mauvaise, attendez. Je crois que je prends la mauvaise. Allez! Hop, on récupère la cage. On doit sauvegarder ici en vrai, je pense. Je pense qu'on doit faire une petite sauvegarde ici, au calme. Ok, donc c'est pas ici. C'est pas ici. Donc là, le requin il va avancer, donc du coup, on saute pas maintenant. Et ici, faut attendre. En gros, il va falloir esquiver la plateforme en montant au-dessus. Ah ouais, mais lui, il s'attend à n'importe quel moment. Il fallait le savoir. Fallait le savoir. Allez, on recommence. Again, again et again. Hop. Hop. Eh ben, c'est tellement calme ce jeu. Ah, la musique là, elle est belle en tout cas. Chinois, elle a mis une belle musique. Très très belle musique. Ah, j'ai une sauvegarde ici en vrai. J'ai une sauvegarde ici. On a déjà récupéré la cage, ça c'est une bonne nouvelle. On faut faire attention aux poissons qui sautent là, c'est eux qui sont. C'est les grosses merdes du jeu, c'est eux. Regardez là, il va revenir là-bas. On va commencer matin pas. Ok, on a l'astuce, ça y est. On va pouvoir progresser, les amis. Ici il revient le requin qui saute. Ouais, il revient. Ah, il va casser les couilles. Il va vraiment casser les couilles, un requin qui saute. Allez! Lui plus le requin qui saute! Oh, lui plus le requin qui saute, ça va être vraiment amusant! Allez, saute, saloperie de requin! Ah, mais je peux pas. Ah, mais non, regardez ce qu'il m'a fait! Mais non, mais arrêtez! Putain, ce passage il va être infernal! Et faut que je finisse pas mon stream sur ce passage, je vous le dis, non! Je finis ce passage, c'est bon! Putain, il va être infernal ce passage avec le requin là. Allez! Allez, Réré! Allez, Réré! Oh, vas-y, je relance parce que là, je vais m'énerver sur le jeu là. C'est portable ce jeu. Ah, c'est vrai qu'il est dur en vrai à des moments. Faut pas me dire qu'il est facile, hein, parce qu'on m'a déjà dit qu'il était facile le jeu, mais non. Il y a des passages durs hein, dans ce jeu. Vraiment, il y a des passages super durs. Et puis voilà, comme j'ai envie de. Ouais, j'ai tellement envie d'avancer dans le jeu que du coup ça me fait un stress en plus. Et du coup, j'arrive pas à me concentrer bien comme il faut. Je vais sauvegarder ici. Vous savez quoi pour maintenant il est facile. Ouais, il est facile, ouais. Non, c'est vrai qu'il est chiant, c'est pas ça, là, il est hyper dur. Putain, j'ai eu peur en bougeant le. J'ai bougé l'écran, je pensais que ça allait bouger mon overlay. Ça va. Oh, ouh, t'es juste. Ah, mais non, mais. Les deux fois, il saute, Il saute deux fois. Deux fois d'affilée. Non, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Jamais vu ça de ma vie. Il saute deux fois en continu, le gars. Non, mais. Allô? Oh là là. Bon, ça est 17h38. J'espère qu'on va faire ce passage hein, quand même, on va pas rester ici 4 heures. Hein. Non mais sans deck. En plus on avance petit à petit à la fin du Rayman, mais au plus qu'on avance, au plus que j'y crois plus. Ce passage infernal là, il commence à me sortir pas trop deck, je vous le dis. Mais c'est lui là, ce requin de merde là, qui saute à chaque fois. Ouh. Allez, voilà. Merci. Tu ne toucheras plus pendant plusieurs tours. Allez.
Voilà, tu croyais que t'allais m'avoir là? Tu croyais quoi? Tu croyais que t'allais faire quoi? C'est le requin. Allez, poussez-moi. Ah, t'as clippé sûrement. T'as dû faire un clip. Ouais, moi les clips, c'est. Ici c'est. Si c'est ils sont méchants le bot. Alors attends. Ouais, c'est un clip. Attends, c'est quoi? Hop. Ah, mon PC il veut pas le clip, il veut pas copier le clip. Ctrl C, Ctrl V. Et re-Samy, re. Ah, t'arrives au moment, il saute deux fois. Il a sauté deux fois, Matt, tu l'as vu? Ah, il a clippé, c'est bien, Matt. Merci. Merci, Matt, d'avoir clippé. Oui, re-Samy, bah t'arrives au moment où je rage. Ça fait 40 minutes que je rage. Non, une demi-heure que je rage à peu près. On est dans un passage qui est facile, mais. Il dit bien, il y a un mais, attention. Mais tu fais une erreur, tu meurs quoi. Parce que l'eau, bah, l'eau te tue, tout simplement. Et je galère ici depuis tout à l'heure, tu sais. Bah, j'espère qu'on va y arriver cette fois, tu vois. Allez, pousse-moi. Voilà. Bon, normalement, cette fois, on va mieux gérer que tout à l'heure. Je l'espère. Bon, au moins, on n'a pas de cage à récupérer. On a dû récupérer. Je vais vérifier, vous savez quoi, j'ai un doute. Ça, eux, ils se bagarrent pour la bouboule alors qu'on s'en fout de cette boule en vrai. Ok. Bon, ici. Ici, c'est le passage le plus chiant. Enfin, c'est pas le plus chiant, c'est des plus chiants. Donc là, on va esquiver le monsieur requin qui saute tous les 30 secondes. Allez, ramenez-moi la bouboule là-bas, monsieur, s'il vous plaît. Le requin. Et le requin qui m'a poussé quand même. Il faut pas plus ce requin. Il m'a supporte ce requin. Allez. Joe, mais Joe, je vais l'étrangler à la fin. Allez. Faut qu'on finisse ce niveau, les amis. Faut qu'on finisse, il faut qu'on progresse parce que là, on est bloqué dans le. Je peux pas rester mon stream. Je peux pas arrêter mon stream ici, en vrai, je vais pas revenir sur une sauvegarde, c'est pas possible. Bah moi je pense avoir à souffrir. Faut que je bois une goutte après. Ok. Allez. Concentrons de nouveau. Requin de merde. Ça je peux perdre des PV ici, c'est pas très grave. Tant que le requin il me fait pas chier. Oh là là, l'esquive du requin. Allez, on va y arriver. Allez, du courage, il me faut du courage, c'est tout. Allez. Il peut pas aller jusque là. Ok, le requin va revenir. Il va revenir et c'est là qu'il faut sauter au bon moment. Non, trop tôt! Ouh! Mais regardez! Eh, Matt! Matt, tu l'as vu, il saute deux fois. Matt, il l'a vu. Il saute deux fois ici. Ok. Allez. Parce que ce passage, on en est pour jusqu'à minuit et demi là. Matt qui est mon témoin officiel, t'es. Ouais, ce passage là, c'est chiant en fait. Ouais, mais ce passage là, il est très très dur en fait. On va sauter ici avant que le requin il me saute en premier. On va attendre que le requin il repasse parce qu'il va ressauter sur ma gueule, je le sens. Gros comme une maison. Alors j'ai l'astuce, ça y est, j'ai l'astuce ici. J'ai réfléchi, j'ai trouvé une astuce. Donc là on va sauter, parce que le requin va sauter. Pour l'instant c'est bien. Et la boule on va bientôt la voir apparaître. Au prochain saut que le requin il fait, on va devoir vite sauter. Donc là il a sauté. Là il faut vite sauter. Non! Mais qu'est-ce qu'il fait? Oui! Attends, c'est pas fini, il y a encore un requin! Mais non mais. Mais il y a des requins partout! Il y a pas de point de sauvegarde, ce jeu il est cruel. Ce jeu il est cruel. Oh là là. Mais c'est encore plus dur après. On est au point de passage facile limite. Je fais des propres points de sauvegarde hein, parce que sinon on n'arrive jamais. Là, sur les points de sauvegarde, je pense qu'on finit le jeu demain.
Non-stop. Oh, puis. Crotte. Allez, revenons. Il est dur ce passage. Hein. Peut-être que mon cerveau il sature, il veut plus continuer, mais bon, moi je veux continuer. Je veux continuer, il me reste encore 30 minutes de stream normalement. Non, on va pas arrêter maintenant, il faut qu'on finisse ce passage au moins. Même si on n'a plus qu'une vie à la fin, on sauvegarde, m'en fous. On ira farmer en off et puis basta. On se laissera plus tôt au pire. Hein. De toute façon, on vous fait un live de 2h30 ce week-end. Sur un autre jeu. Donc y'a pas de soucis. Oui, on fait du City hier, hein, pour ceux qui veulent savoir, ce week-end on va faire du City hier, je pense. Je pense, je dis bien. Allez, on esquive ce requin de merde parce que lui va nous faire chier. Alors là, il y a le second requin. Celui-là va nous faire chier aussi. Ok, faut qu'on aille ici. Ici, on a moins de chances de se prendre des dégâts. Putain, le passage là-bas, ça va être l'enfer, là, avec les deux messieurs là qui nous tirent dessus, là. Attends que le requin, il revient, parce que tant qu'il sera de ce côté-là, ça ira pas. Et remets-moi un petit coup. Ok, on arrive dans les moments les plus durs du jeu vidéo. Le requin, plus le monsieur qui tire. Après, il y a deux messieurs qui tirent. Et c'est là que c'est limite impossible. Parce que depuis quand? Oh! Je vais te regarder ici, mais non, c'est bon, on va pas se regarder tous les 30 secondes non plus. Oh! Dis-moi qu'il y a une boule bientôt. Donc c'est le requin, il va revenir. C'est pas grave. Oh! Oh! Oh purée. 2 secondes. Oh mon dieu! Si! Oh là là là, je sauvegarde direct, hein, je vous dis, point de sauvegarde, mais direct! Ah, mais là, je sauvegarde direct, c'est quoi ce qu'on va faire, les amis? On va faire un truc. On va chercher du P. Oh purée! Je vais chercher du P, il me faut du P. Je sais, il y a plus court, mais je vais aller chercher du P. Et on va continuer. On va continuer, on va essayer de peut-être finir le dernier monde. Comme ça, on n'aura plus qu'à faire le tout à 100% après, et puis on a fini le jeu, hein, plus que le boss. Hein. Allez, je vais récupérer du P qui est ici, il y a du P. Allez, on récupère le P qui est ici, on retourne au dernier monde, et c'est le dernier monde, hein, il y a un boss, hein, là, à mon avis. Peut-être qu'on va pas pouvoir le battre aujourd'hui. Allez, normalement, on a une full vie, et bien normalement. On va sauvegarder à l'entrée du monde. Regardez, il nous reste plus beaucoup, hein, on a fini tous les montagnes bleues. Il ne reste que la cité des images. Attendez, ça sent bizarre. Oui, je reviens. C'est bizarre, c'est...
Allô? On m'entend le Matt? Merci Matt. Merci mille fois. Merci mille fois. Parce que là, tu vois, je sais pas pourquoi on m'entendait plus. Ça fait un moment qu'on m'entend plus, Matt. Juste pour savoir. Toi qui es là depuis un moment. C'est un moment. Ouais, c'est bon, ouais, j'ai vu que j'avais coché. Ah! Ah là là, on perd toutes nos vies ici, ça y est. C'est le dernier monde, de toute façon, on s'en fout. Tu serais vraiment à branler de perdre toutes nos vies ici. On est à la fin du jeu. Il n'y a plus qu'à farmer des vies, de toute façon. On serait d'en avoir une vingtaine pour les mondes. À 100%. Ah, il y a une plateforme juste en dessous, je la vois, là, toute petite plateforme qui en suspens. Ouais, je l'ai vu. Ok. Ok. Bah, j'avoue que là, je vais pas vous mentir, je suis plus stressé qu'autre chose. Je sais pas trop, je vais regarder une vidéo plutôt pour une pire robe. Ah là là. Mince, je suis désolé les amis, en tout cas, si vous m'entendez plus. Mais je vais rattraper ce retard, de toute façon. On a toutes les cages du niveau déjà. Ah, Matt, on a toutes les cages. Hein. Tu crois ou pas? Et justement pas, on a toutes les cages du monde. Y'a plus qu'à finir le niveau, en fait, à battre le boss et c'est terminé. On a toutes les cages. En vrai, les caves de corps, elle est pas dure, si dure que ça en vrai. Hein. Et je dis ça, je sens tout retombe en bas. Ouais, t'as toutes les cages, Matt, écoute. Écoute. Tant mieux, hein. Tant mieux. Ce sera plus ou moins de boulot à faire avant de finir le jeu, quoi. Là, je viens de gagner une vie en plus. Allez, on finit pour le niveau. Pas une vie qui est gagnée, à gagner, non? Rien? Ok. On va prendre dès qu'il y a un boss, on sauvegarde. Dès qu'il y a un boss, on sauvegarde, je vous le dis de suite. Eh ben, il y a un boss, on sauvegarde. Allez, hop. Sauvegarde rapide. Ça y est. Réveille-toi, saloperie. Je me rappelle de ce boss en plus. Je sais plus comment on le bat. Ouais, en tout cas, c'est pas comme ça qu'on le bat. Ça, il. On va pouvoir bientôt se laisser, hein. Parce que j'ai plus assez de vie, hein. J'aurais jamais voulu continuer un peu encore avant 18h15. Et si on finit le boss avant 18h15, je vous laisse là. Ah! Ah oui, d'accord, il nous fait chier comme ça le boss. Allez, renvoie ta pince. Sers-moi la pince. Allez, recule. Recule, sale brigand. Oh là 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 là. Recule, sale brigand. Allez, allez. On se remotive. On le bat. Et on a fini le jeu quasiment en vrai. Enfin, on a fini le mode histoire, sauf le boss final. Ah, c'est aléatoire, d'accord, il fait pas toutes les mêmes plateformes. Ah, donc du coup, c'est vraiment du aléatoire, ça va être vraiment marrant. Enfin, bien quoi le faire, là, l'homme, ce qui est en bas, là. Pas la question. J'aimerais trop savoir. Donc, du coup, je reste ici, je vais sauter. Ok, c'était la bonne plateforme. Vas-y, rends-moi ta pince, si tu veux, là. Ah, oh, et puis, zut, zut, flûte. Crotte. Allez, on repartit. Parce que là, on va jamais y arriver. Allez, on raffronte ce boss de merde. Il vient de faire disparaître les plateformes. Ok, donc celle-là, elle disparaît souvent. Est-ce que ça a remarqué? Ah ouais, si, je dis peut-être que je devais peut-être pas aller au magasin, mais si, il faut que j'y aille. Mais je perds toutes mes vies ici. En plus, j'ai un P. Allez, envoie ta pince si tu veux. Est-ce que tu veux aller? Ouais, recule. Mais. Ok. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il fait quoi? Il joue à quoi ce boss là? Il est chouchou! Il joue à quoi le boss là? Il recule, il avance. Eh, on peut plus rien faire, on est bloqué nous. Hein. Faut que tu nous trouves. Faut que tu arrêtes hein, de nous faire chier là. C'est le prix de boss là. En plus, y a pas de vie, à mon avis, c'est pas la phase finale. Y a une autre phase. Le boss. Aujourd'hui, on a vraiment fini toute la cave de Scorp, hein, en vrai. Oh là 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 là. 2h20 de live. Bah, on se tente une dernière fois là après, et puis on arrêtera. On recommencera peut-être depuis le début, vous savez quoi.
Comme ça on triche pas, on recommence pas avec une sauvegarde. On commencera peut-être depuis le début avec plus de vie en plus. Donc on commencera pas par ça je pense. On commencera pas par ça tiens. On commencera par aller fermer les cages dans la cité des images. On ira faire un ou deux mondes de la cité des images avant de faire le boss. Et après quand on aura fini le boss, si on a le temps, on ira faire Allez, dernier essai comme je vous l'ai dit. Si on meurt par contre, je suis désolé. On sera déjà pas mal pour aujourd'hui, on a pas mal avancé hein. On est quasiment à la fin du jeu, hein. On a quasiment fini le jeu en vrai. Enfin pour moi je pense qu'on est à la fin du jeu. Je crois qu'après il reste plus que le boss. J'ai un doute hein. S'il me trompe, dites-le moi, n'hésitez pas. Je pense qu'après on est à la fin du jeu, hein. C'est le boss. Boss final avec quelques niveaux à faire, je pense, si je me rappelle bien. Alors là du coup il va reculer. Mais il met 3 ans pour reculer, je prends pas le risque. Il prend 3 ans pour reculer, le monsieur. Bon, allez, on va. Plus de try. Encore 2 try, c'est fini. 2 try, et puis moi, j'arrête là pour aujourd'hui. Le magasin en plus. C'est... Je suis obligé, je peux pas échapper, je dois partir avant. J'aurais bien voulu continuer avec vous hein, pour avancer et tout. Comme ça, on aurait vite avancé sur le jeu, on aurait bien progressé, etc. Et je dois partir après. On prend notre temps, puisqu'il lui prend son temps. Ah bah voilà. Plus qu'une try, mais j'y crois pas. Je pense que là, on est dans la merde. Le boss, il est chaud, en vrai. Comment on l'esquive? Tu sais quoi? On va essayer de tenter par passer par au-dessus de lui ou en dessous, là, une dernière fois, bon. Bon, j'ai pas d'astuce, toi. Je sais pas comment ça va se finir cette histoire. Allez, remonte tes petites pinces là, magnifique. Allez, vas-y, remonte d'un coup. Ok. En plus, on peut pas le battre maintenant, je pense. C'est trop tôt. Oh, bien vu. Et voilà. Game over. Bon les amis, on va se laisser là, on va arrêter là. Donc je vais vous laisser sur ce bel écran de Game Over. Donc je vais pas raid aujourd'hui, un peu raid, hein, c'est un petit raid de quelques personnes, mais pas beaucoup. Donc merci d'avoir été présent. N'oubliez pas que sur le Discord, vous avez les annonces, les horaires. Donc samedi, on sera en live, en début d'après-midi normalement, de 14h à 16h30, sur CTR en mode difficile. Et on se retrouvera la semaine prochaine donc pour du Mass of Medans, du Rayman et peut-être soit du Ratchet & Clank ou alors un autre jeu, on verra. Mais la semaine prochaine, 3 lives toujours. Donc merci encore de votre présence, ça fait super plaisir, merci pour passer les 100 follow. Et puis n'hésitez pas à me suivre pour le petit raid, vous n'êtes pas beaucoup. Je vais voir si on peut raid quelqu'un avant. Je vais vous rassurer, comme je vais vous dire si vous pouvez y aller, il vous libère. Est-ce qu'on peut raid une petite personne là? Non. Il y a quelqu'un qui serait intéressant de raid. On peut faire un petit raid à Linko au pire hein, les amis. Un petit raid à Linko. Bon allez, je vais lancer mon raid sur Linko. Merci d'avoir été présent. Je vous dis du coup à samedi pour le live. Et puis je vous adore. Merci à tous pour les follow, pour tout ce que vous faites. Même quand vous n'êtes pas nombreux, vous êtes super, vous êtes les tops. N'hésitez pas à mettre un petit coucou à Linko avant d'y aller. Ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis bonne soirée. Amour sur vous. Et ciao tout le monde. Je lance le raid. Ciao tout le monde, je vous adore. Et merci encore Mad d'avoir été présent aussi. Et puis Samy, et puis tous ceux qui étaient présents. Allez, je lance le raid.
enculé, c'est l'enculé. Free, ce gars, sur ta gueule. Hein, j'ai pas la télé, pas même les... Oh, mais même moi, j'ai pas les chaînes normales, j'ai pareil, j'ai pas l'antenne, j'ai pas les... j'ai pas pris le truc de... J'ai pas pris les chaînes télé avec mon opérateur internet.